Merci Seigneur de nous unir par ton nom. Merci de transformer tes enfants et ton monde par ta passion. Louons l'Éternel des armées, par Jésus-Christ, Fils unique ressuscité. Célébrons sa victoire, bénissons-nous autour de son histoire. Bénissons le Messie, Emmanuel nous rend la vie. Acclamons avec ceux du paradis, le roi des rois, l'enfant promis. Ses vertus nous restaurent, derrière lui nous marchons loin de la mort. C'est par sa vie que nous sommes saints et unis. À lui la louange, la gloire, l'honneur et tous ses anges. Notre Dieu est miséricordieux, grâce à son pardon, plus de péché, plus de condamnation. Vive l'agneau de Dieu, vive sans innocent. Jésus-Christ est Dieu, il nous rend vivants. Bénissons Dieu les amis, par Jésus-Christ, Fils unique ressuscité, célébrons sa victoire, unissons-nous autour de son histoire, bénissons le Messie, Emmanuel nous rend la vie, acclamons avec ceux du paradis, le roi dit, le roi des rois, l'enfant promis, ses vertus nous restaurent, derrière lui nous marchons loin de la mort, c'est par sa vie que nous sommes saints et unis, à lui la louange, la gloire, l'honneur et tous ses anges. Notre Dieu est miséricordieux, grâce à son pardon, plus de péché, plus de condamnation. Vive l'agneau de Dieu, vive le sang innocent. Jésus-Christ est Dieu, il nous rend vivants. Bénissons Dieu les amis, c'est lui qui nous unit, nous donne et nous édifie passionnément. Bénissons Dieu les amis, c'est lui qui nous unit, nous donne et nous édifie passionnément. Dieu les amis, c'est lui qui nous unit, nous donne et nous édifie passionnément. Alléluia, shalom à tous, bienvenue, que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Je suis votre sœur Avril, la femme de l'Éternel des armées. Alors je vais bien, merci White Pearl, j'espère que tu vas bien aussi. On va écouter l'astro biblique et après on va faire un temps d'étude, je vais vous faire témoignage. Je ne suis pas venue hier soir, alors je m'en excuse les amis, à 21h30, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je dis sur les lives, je viens à 21h30 ou je viens à telle et telle heure, finalement je ne viens pas parce que j'ai un coup de fatigue, comme par hasard. Non, j'étais vraiment fatiguée, du coup j'ai dit c'est dommage, mais tant pis, j'y vais pas. Alors c'est dommage parce que le Seigneur en plus... Il m'avait donné, je devais mettre cette musique-là, et je devais mettre, on devait lire la Genèse, l'histoire de la Genèse, commencer ensemble la lecture de la Bible, mais on devait l'approfondir ensemble. Alors du coup, c'est dommage parce que hier il n'y a pas eu grand-chose en plus en live dans l'après-midi. Il m'avait donné pour le soir et du coup je l'ai pas fait parce que j'ai été, je pense que c'est une attaque de fatigue. Peut-être pas, mais voilà. L'astro-biblique, allez, on y va. Shalom, c'est l'heure de l'astro-biblique offert par votre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous, merci d'être là. Dieu, que la vie est si belle, quand on a rendez-vous avec toi, notre Éternel, qui nous donne tout. Le corps du Christ est en lion de la tribu de Judas, amour. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, il est riche en bonté, lent à la colère. Il pardonne vos iniquités, ne conteste pas. L'Éternel ne garde pas sa colère à toujours. Travaille, si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2, et ne refuse pas celui qui veut emprunter de toi. Santé, un cœur joyeux est un bon remède, mais si ton esprit est abattu, tes os seront desséchés. Argent. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où s'attachera-t-il à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, c'est soit Dieu ou Mammon, faites votre choix. Prescription supplémentaire comme au loto. L'orgueil conduit à l'humiliation, soyez humble d'esprit, ainsi vous obtiendrez la gloire avec Jésus-Christ.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, dit le Seigneur, car de lui vient la source de la vie. Ne soyez pas médisant envers personne, soyez pacifique, modéré, plein de douceur envers tous. Proverbe du jour, l'amour du méchant est plus dangereux que sa haine. Un méchant sait-il aimer. Remercions le Seigneur et rendons-lui grâce, chers amis, élus du Christ, d'avoir pu bénéficier de cet astro biblique. Alors j'ai fait mon temps de veille ce matin, parce que le Seigneur m'a réveillé, m'a dit ce matin, il m'a dit hier soir, il m'a dit faut te lever demain matin, faut faire comme je t'ai dit, hein. Faut te lever, faut te réunir au salon avec les enfants, c'est ce que je t'ai dit. Il y a des matins je dors encore, j'ai la flemme de me lever, mais là ce matin il est venu et il m'a dit chérie allez lève-toi, prends courage. Voilà, donc je suis allée au salon, mais j'avais vraiment la flemme aussi de faire mon live en direct live, mon temps d'étude en direct live. Puis j'avais vraiment besoin, je ressentais vraiment le besoin de prier ce matin. Le Seigneur à un moment m'a dit chante, alors j'ai chanté, mais j'ai pas écouté d'astro biblique, j'ai même pas écouté les temps d'études ce matin. J'ai même pas écouté les temps d'études, j'ai fait une heure de veillée, une heure de prière. J'ai prié toutes les prières, parce que j'en ressentais le besoin, bah oui, parce que j'ai fait ma feignante encore presque toute la semaine, à dormir, hein. Que le Seigneur nous trouve pas en train de dormir, qu'il nous trouve en train de veiller, qu'il a dit, à son retour. J'ai fait ma feignasse. Alors j'assure pas forcément toujours des lives le matin, mais en tout cas, dès que Dieu le veut, je fais, parce que c'est aussi Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Alors aujourd'hui, les amis, on va faire le temps d'étude. J'essaierai de revenir ce soir à 21h30 pour faire ce que je devais faire du coup hier, à propos de la Genèse. Si vous voyez qu'à 21h40, je l'avais déjà dit, hein, s'il n'y a pas de live, il n'y a pas de live, il peut m'arriver un imprévu, on ne sait pas, voilà. J'essaierai, si Dieu le veut, amen. Donc aujourd'hui, vendredi 13 septembre, on va étudier Colossiens chapitre 3. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et on va étudier Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12. Mais avant ça, j'ai beaucoup travaillé, alors je pensais pas que je serais à l'heure là, encore une fois, 14h30 là, pour le live. J'ai beaucoup travaillé ce matin pour le Seigneur. Le Seigneur m'a donné une révélation et le Seigneur veut que je vous fasse écouter la première parabole. Ça y est, j'ai commencé à enregistrer les paraboles de Christ. Alors, je pensais pas que ça serait aussi long. Parce que moi, je pensais que j'allais récupérer les paraboles telles qu'elles étaient, les enregistrer et point barre. Non. Le Seigneur me donne le sens caché et on en parle. Voilà. Alors, c'est quand même beaucoup plus profond que ce qui m'a fait enregistrer. Faut bien se le dire. Ce qui m'a fait enregistrer, c'est juste un aperçu. C'est vraiment Christ qui nous donnera de le connaître à fond. On le connaît partiellement. Allez, c'est parti. On écoute la parabole du trésor, mais il faut déjà que je mette du son. Parabole du trésor. Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Que signifie cette parabole ? Le royaume des cieux est semblable à un trésor. Le royaume des cieux, c'est la personne du Père qui a un trésor, Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ. Car le Messie est semblable à Dieu. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. L'homme, c'est la personne du Père, de Dieu. Il a trouvé le Messie. Dieu a trouvé Dieu. Dieu a trouvé l'homme, Adam, qui lui ressemble. L'homme. Amen. Les Juifs ne pouvaient pas trouver le Messie. Les prophètes ont sondé les Écritures, ils ne pouvaient pas trouver le Messie. C'était impossible aux hommes de trouver le Messie. Mais ce qui est impossible aux hommes, à Dieu, tout est possible. Et Dieu, qui est lui-même le Messie, a trouvé le Messie.
Amen. C'est lui qui va se révéler au monde. Le Fils nous fait connaître le Père, le libérateur, le Shiloh, le Paraclet, le Messie. Parfait. Dieu le cache aux yeux des hommes. Jésus paraît comme un simple berger, paraît dans le monde comme un simple homme. Et même les paroles de Jésus sont cachées pour certaines personnes. Alors je vais être un petit peu plus en rapide parce que j'ai fait l'enregistrement, mais en prenant le temps de... J'ai pas eu le temps de me faire une base écrite, parce que c'est de la perte de temps. Et donc j'ai dit tant pis, même si je bug en expliquant les choses, j'enlèverai tous les petits bugs. Donc ça m'a pris énormément de temps. Et je prends le temps d'expliquer clairement ce que le Seigneur veut que j'explique. Et c'est pas facile. Donc je vais avancer un petit peu. Alors attendez, maintenant peut-être pas 2 minutes. Je vais mettre à 1 minute 25. Je vais avancer ma voix, que ça soit un peu plus rapide. Le Messie Emmanuel signifie Dieu avec nous. Si tu entends Emmanuel et que tu regardes au premier abord, Emmanuel est un nom courant. Mais si tu prends la signification, si tu cherches, bah tu vas trouver le trésor. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Voilà. Dieu, le Messie est caché aux yeux de Dieu comme un trésor. Emmanuel, au premier abord, bah c'est le prophète Jésus, c'est le fils de Marie, c'est le Messie, mais après, pour certains hommes, il y a d'autres Messies, il y a d'autres prophètes plus glorieux que Jésus, soi-disant. Hein. Ils ne cherchent pas à le connaître véritablement. Nous, le Saint-Esprit nous permet de creuser, d'ouvrir le trésor caché et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Emmanuel est le prénom du Messie, selon Ésaïe. Et le Messie est semblable à Dieu. Seul Dieu peut trouver Dieu ou conduire à Dieu. D'où la mission du Messie. Le Fils nous fait connaître le Père. Donc, le Fils qui est Dieu nous fait connaître qui il est quand il est dans la gloire. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Dieu a vendu tout ce qu'il avait. Dieu a livré Dieu sur la croix, sa chair, son sang, mais aussi le Consolateur, le Saint-Esprit, le Père qui était dans le Fils, son âme. La Bible nous dit que l'âme est dans le sang. Donc Dieu a donné la totalité de Dieu en échange du champ dans lequel même était caché ce trésor. Le Fils de Dieu est descendu du ciel, il est venu sur la terre. La terre, le champ, c'est le monde. Nous avons, grâce à Jésus-Christ et au sens caché qu'il donne dans une autre parabole, la parabole de la fin du monde. La parabole du semeur. Amen. Je dis la parabole de la fin du monde parce que c'est le sens caché. Hein. Elle parle de la fin du monde, cette parabole. Amen. Elle parle de l'évangile prêché dans le monde entier. Amen. Il y a des différentes personnes qui reçoivent cet évangile. Mais elle parle de la fin du monde. Le champ, c'est le monde. Les moissonneurs, c'est les anges. Et le semeur, c'est Dieu. Dieu a offert le sacrifice de l'agneau parfait pour racheter le monde, pour racheter la création et le genre humain. Dieu a donné Dieu. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans... Alors, Dieu a donné Dieu, excusez-moi, je regarde parce que j'ai noté un truc. Non. Si tu entends Emmanuel et que tu regardes au premier abord, Emmanuel est un nom courant. Mais si tu prends la signification, si tu cherches, bah, tu vas trouver le trésor. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Emmanuel est le prénom du Messie, selon Ésaïe. Et le Messie est semblable à Dieu. Seul Dieu peut trouver Dieu ou conduire à Dieu. D'où la mission du Messie. Amen. Le Fils nous fait connaître le Père. Donc, le Fils qui est Dieu nous fait connaître qui il est quand il est dans la gloire. Amen. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Dieu a vendu tout ce qu'il avait. Dieu a livré Dieu sur la croix. Personne ne lui a pris sa vie, c'est lui qui l'a donné. Sa chair, son sang, mais aussi le Consolateur, le Saint-Esprit, le Père qui était dans le Fils, Amen. Son âme. La Bible nous dit que l'âme est dans le sang. Donc Dieu a donné la totalité de Dieu en échange du champ dans lequel même était caché ce trésor. Le Fils de Dieu est descendu du ciel, il est venu sur la terre. La terre... Donc la terre, c'est le champ, c'est le monde. Et Dieu même était caché dans le monde. Personne ne pouvait trouver Dieu. Amen. C'est le Fils unique qui fait connaître Dieu. C'est pas les juifs avec le judaïsme, c'est pas les hommes avec la religion, c'est Jésus qui fait connaître Dieu.
Louons l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Rendons grâce à l'Éternel qui est avec nous, les amis, sur ce live et qui nous donne ces révélations importantes. Amen. Le champ, c'est le monde. Nous avons, grâce à Jésus-Christ, et au sens caché qu'il donne dans une autre parabole, la parabole de la fin du monde, le champ, c'est le monde. Les moissonneurs, c'est les anges. Et le semeur, c'est Dieu. Dieu a offert le sacrifice de l'agneau parfait pour racheter le monde, pour racheter la création et le genre humain. Dieu a donné Dieu. Donc Dieu a rétabli aussi ce qui était perdu. Dieu n'a perdu qu'une brebis, Adam. Adam était l'homme parfait. Adam a été et la brebis perdue. Amen. Donc Dieu a rétabli un nouvel Adam. C'est ce qui manquait pour sauver le monde, pour restaurer le monde, pour restaurer la création à sa perfection du début. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. L'homme qui a trouvé l'agneau de Dieu, donc le trésor parfait, et qui peut racheter le monde parce qu'il donne tout ce qu'il a. Dieu a déjà la sainteté, la paix. Il a déjà cette valeur que les hommes n'ont plus. Dieu a l'immortalité, Dieu est glorieux. Donc Dieu va pouvoir racheter le monde, mais encore en plus, dans sa joie, va récupérer ce trésor qui lui appartient de droit, parce que le trésor, c'est la personne de Dieu. Amen. Et la personne de Dieu qui s'est donnée, c'est aussi l'Évangile. L'Évangile est un trésor qu'il faut chercher, comme ça on va trouver. On va trouver évidemment si Dieu, qui met en nous le vouloir et le faire, nous donnera de le chercher et de le trouver. Parce que seul Dieu, le Père, a choisi les brebis et les a données au Fils. Amen. En ouvrant cet évangile, on va pouvoir se rendre compte de la beauté de la personne de Dieu. Dieu, il a des vertus, il a une sagesse incroyable et il se laisse trouver. Il y a même à notre rencontre, comme un berger cherche sa brebis perdue. Le Seigneur Dieu, en la personne du Messie, mais du Père en même temps, parce que le Père et lui sont un, prend plaisir à enseigner les brebis qui l'écoutent. Les brebis à qui Dieu lui-même a fait don d'avoir des oreilles pour entendre. C'est Dieu qui fait des brebis. C'est Dieu qui choisit ses brebis. La foi vient de ce qu'on entend, mais c'est Dieu aussi qui donne des oreilles pour entendre. Matthieu chapitre 13, versets 10 et 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Le Seigneur Jésus est venu apporter l'évangile, et l'évangile a été prêché dans le monde entier. Mais, dans le monde entier, dans le champ, il y a du blé et il y a de l'ivraie. Donc, il y a des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation qui sont brebis de Christ et qui seront rachetés, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Nous qui sommes imitateurs de Jésus, on doit prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non. Mais le sens caché, nous devons le donner qu'aux élus. À l'image du maître, Jésus nous dit ceci. Matthieu chapitre 7, verset 6. « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » On reconnaît un arbre à ses fruits, quelqu'un qui n'a pas les vertus de Dieu, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit Saint, ne fait déjà pas le témoignage que Jésus-Christ est son Dieu. Il y en a plein qui disent que Jésus est Messie, que Jésus est prophète, que Jésus est roi, que Jésus est un fou, un juif qui aurait mal tourné. Voilà, il y en a qui disent des choses bien, il y en a qui disent des mauvaises choses. Tout dépend de l'esprit qui vit dans ton cœur. La bouche parle de l'abondance du cœur et chaque esprit, et il y en a deux dans le monde, il y a l'esprit du grand esprit de Dieu, l'esprit de bonté, de vie, donc l'esprit de Christ, et il y a l'esprit de Satan avec le péché. Donc l'esprit de l'antéchrist. La bouche parle de l'abondance du cœur. Même si les dires semblent bien, elles ne sont pas la vérité totale, elles sont une vérité partielle. Faut passer aux apparences. C'est pas parce que quelqu'un dit du bien avec sa bouche que le cœur est bon. Jésus est bien prophète, Jésus est bien roi, Jésus est bien messie. Jésus est bien fils de Dieu, mais Jésus est Dieu. S'ils ne le disent pas, c'est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est que déjà, ils ne peuvent même pas recevoir le sens caché des paroles de notre Dieu.
Si mon évangile il est voilé pour ceux qui périssent. La Torah même était voilée. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Jésus se laisse trouver, mais par les brebis qui appartiennent au Père. Au commencement, Dieu a prédestiné ses brebis. Ceux qui seraient sauvés, les élus. Dieu n'enseigne pas tout le monde avec le sens caché. Donc nous, à l'image de Christ, puisque nous sommes ses imitateurs, nous sommes ses témoins, nous sommes ses disciples et nous devons lui obéir, nous ne donnons pas le sens caché à tout le monde. Tout le monde n'est pas digne de pouvoir regarder ce qu'il y a dans le trésor de l'Évangile. Seuls les brebis doivent plonger leur regard dans la loi de l'Évangile qui est parfaite dans le Christ, dans sa lumière, dans ce trésor glorieux venu du Père. Psaume 119, verset 162. David, brebis prédestiné par Dieu, au commencement, dit ceci, « Je me réjouis de tes promesses comme celui qui trouve un grand butin. » David cherchait l'Éternel de tout son cœur. Et il a trouvé le trésor. Il a trouvé le Messie, parce que le Messie s'est laissé trouver. Le Messie est une diète d'achoppement pour ceux qui doivent se perdre, mais il est le fondement principal pour la Nouvelle Jérusalem, pour ceux qui doivent être sauvés. Le Messie se laisse trouver par ceux qui lui appartiennent. David avait trouvé le Saint-Esprit, le Consolateur, en cherchant avec son cœur. David a plongé ses regards dans la loi parfaite et vivante de Dieu. Je vous rappelle la parole de notre Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 13, versets 11 et 12. Jésus leur répondit aux disciples, « Parce qu'il vous a été donné, donc gratuitement, de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Donc le Seigneur Jésus ne sauve pas tout le monde. Il sauve les brebis que le Père lui a données, les brebis que lui-même, étant dans la gloire, a choisi de sauver. Verset 12, « On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » De quoi parle Jésus-Christ dans ce verset? Jésus parle du trésor, de son royaume, de ceux qui l'ont trouvé, de son Esprit Saint, de ses vertus. Quand tu as le trésor de Dieu, le royaume des cieux en toi, le Saint-Esprit consolateur, les vertus de Dieu, ton âme est restaurée par Dieu. Tu ressembles à Dieu. Et Dieu ne peut pas mourir, il est immortel. Et Dieu est parfait. On donnera à celui qui a le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il faut se rappeler de l'enseignement que nous avons reçu par le Maître. Le Maître nous dit que la récompense, la vie éternelle, le salut, se donne en deux temps. Premier temps, le bon dépôt, qu'il donne qu'aux brebis destiné à être sauvé. Et en second temps, quand Christ votre vie paraîtra dans la gloire, quand vous verrez Jésus venir en tant que Dieu, en tant que Père, il vous prendra avec lui dans la gloire. Il vient chercher ses brebis. Et là, en un clin d'œil, en un instant, vous serez changé parce que vous obtiendrez le reste de la récompense. On donnera à celui qui a. Ça confirme que la récompense est en deux temps. Et celui qui a le Saint-Esprit aura le reste de la bénédiction, il sera dans l'abondance. En un clin d'œil, en un instant, il sera changé et dans la gloire avec Dieu. Par contre, ceux qui ne sont pas sauvés, celui qui n'a pas le bon dépôt, le Saint-Esprit, ne pourra pas recevoir la bénédiction, la seconde partie, et se retrouver dans la gloire avec Dieu. Mais on lui enlèvera ce qu'il a, parce qu'il a l'esprit du démon. Le péché, c'est le diable. Le diable, malgré qu'il a été vaincu, il vit encore dans des hommes. Il est le péché. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, parce que Dieu va enlever le mal, le péché du monde. Et si le diable vit en toi, tu mourras. Il y en a qui ont l'esprit de Christ, d'autres qui ne l'ont pas. Et en ce jour-là, où Jésus-Christ paraîtra, en ce jour-là, seuls ceux qui ont le Saint-Esprit, le bon dépôt, pourront subsister et être sauvés. Quand ce qui est parfait sera venu, donc le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ qui est parfait, mais qui vient en plus dans la gloire du Père comme un trésor, qui sera cette fois visible aux yeux du monde entier. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Nous qui sommes partiels parce que nous avons le bon dépôt, nous allons disparaître. Mais pour être changés, en un clin d'œil en un instant, en la même gloire que notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, ceux qui n'ont pas même les choses partielles mourront. Eux, ils sont partiels, mais partiels
avec les œuvres du monde, avec le péché. Cherchez, vous trouverez, dit le Seigneur. On doit frapper à la porte du royaume des cieux et demander. Le royaume des cieux, c'est la personne du Père. Et on doit demander par le Fils. Matthieu chapitre 6, verset 33-34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6, verset 8. Ne ressemblez pas aux païens, car votre Père, le royaume des cieux, sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez même. Il est le trésor. Il sait, il est rempli de tout ce que nous avons besoin, il est la vie. Mais il veut quand même qu'on lui demande par le Fils, par principe, parce qu'il ne se permet pas d'utiliser notre libre arbitre, et comme il apporte de grands changements intérieurs et extérieurs chez nous, il veut s'assurer qu'on est aussi d'accord dans ce qu'il va entreprendre. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 11, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, parce que nous avons reçu une partie du Saint-Esprit. Je mettrai de mon esprit, mais pas la totalité du Saint-Esprit, sur mes fils et mes filles. Ils prophétiseront. C'est en espérance que vous êtes sauvés. Donc vous êtes sauvés en partie. Dieu s'est engagé à vous sauver. À condition, bien sûr, que vous lui obéissiez et que vous soyez trouvés conformes, conditionnés à recevoir le salut gratuit. Donc, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 11, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait, donc le Christ, dans la gloire du Père, sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » On sera changé en un clin d'œil en un instant. On a le bon dépôt, on a le Fils de Dieu en nous, mais là on aura la totalité de Dieu en nous. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, et le royaume des cieux appartient aux enfants. L'Évangile vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, donc l'Adam, le nouvel Adam, l'esprit de vie qui vivifie, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Le royaume des cieux appartient aux anges de Dieu. Et il faut que vous deveniez un ange de Dieu, un serviteur céleste de Dieu, quelqu'un de apte à entrer dans l'exercice des fonctions que Dieu va lui confier. Que vous le pensez déjà ou non, le Seigneur me fait vous dire que vous ne servez pas Dieu. Vous êtes partiel. Il faut être parfait pour servir Dieu. Matthieu chapitre 25, verset 23. Au retour, quand le Seigneur vient chercher ses brebis, donc l'Église qui est changée en un clin d'œil en un instant, qui est sainte, irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui n'a pas vieilli dans son amour pour Dieu, qui a du zèle, un zèle bouillant, qui n'est ni tiède, ni froide, qui ne peut pas donc être vomi de la bouche de Dieu. Il y a des gens sauvés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et c'est pas parce que tu te penses sauvé que tu penses avec la vérité. Humilie-toi sous les puissantes mains de Dieu. Implore toujours la pitié de Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi. Il faut penser aux pharisiens et aux samaritains qui priaient. L'un s'en va justifié parce qu'il s'humilie. L'autre se pense sauvé et pense avoir accumulé des bonnes œuvres. Donc il ne s'humilie pas, il n'implore pas Dieu. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, commet un péché. Le pharisien même a péché devant Dieu en priant. Oui, péché en priant. Ça surprend, parce qu'on se dit, c'est impossible, si c'est possible, les amis. Donc c'est pas tout le monde qui est sauvé. Il y en a qui ont l'esprit de Christ qui lui appartiennent, un esprit d'humilité, et d'autres qui n'ont pas l'esprit de Christ, un esprit d'orgueil, et qui ne lui appartiennent pas. Donc ceux qui ont un esprit d'humilité, c'est ceux qui sont l'Église cachée, le corps de Christ. C'est ceux qui, en un clin d'œil en un instant, seront saints, irrépréhensibles, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce que c'est cette description de l'Église, c'est quand Christ vient la chercher, qu'il la change en un clin d'œil, c'est quand l'Église elle est parfaite et qu'elle n'est plus partielle. Bianca, tu peux faire moins de bruit s'il te plaît, je suis en live. Donc vous ne servez pas correctement le Seigneur à l'heure actuelle, vous êtes des serviteurs inutiles. Le Maître dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, vous êtes des serviteurs, mais des serviteurs inutiles. Vous êtes bon et fidèle parce que le Saint-Esprit vous a donné les prémices du bon dépôt. Donc ce que vous faites, vous n'en avez aucun mérite, parce que ce que vous faites, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la conduite de Jésus-Christ, c'est les paroles de Jésus-Christ. Juste vous gardez ce bon dépôt, vous persévérez dans la persévérance des saints, alors que ceux qui sont souillés se souillent encore. Vous utilisez...
utilisez votre libre arbitre, la liberté que Christ vous a donnée. Vous ne faites pas de cette liberté un prétexte pour aller vivre selon le monde. Et donc, quand Christ de votre vie paraîtra, il vous confiera beaucoup d'autres choses, des choses encore plus grandes. Jésus, le seul juste. On entre dans la persévérance des saints parce qu'il y en a qui ont déjà gagné la course, qui sont devenus saints grâce aux œuvres, à la conduite de Jésus. Ils n'ont aucun mérite du salut. Le seul qui mérite le salut et la vie éternelle, c'est Jésus. Mais Jésus, il n'en a pas besoin parce qu'il est déjà immortel. Il est déjà saint. Et c'est pour ça que ce qu'il n'a pas besoin, il nous le donne. Amen. Et ce qu'il n'a pas besoin, lui, ça nous est vital à nous. Et ce qui nous est vital à nous, c'est l'Esprit qui vivifie, c'est le Consolateur, c'est le Père, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Et c'est pour ça que l'enfant nous est donné. Amen. Et là, vous servirez correctement le Seigneur. Et là, voilà, quand vous serez plus partiel, que vous serez totalement transformé, changé, vous irez dans le royaume de Dieu pour servir Dieu. Vous ne serez plus des serviteurs inutiles. Mais là, sur terre, vous êtes des serviteurs inutiles parce que vous êtes partiel, les amis. Vous n'êtes pas entier. Il vous faut la totalité de la récompense pour servir le Seigneur. Vous n'avez que le bon dépôt. Donc, vous pouvez servir le Seigneur, mais que en esprit, là où il y a le bon dépôt, pas avec la chair. Quand vous serez parfait, vous pourrez servir Dieu dans son temple au ciel. Amen. Ou alors après, quand il redescend sur la terre, bah le servir sur la terre. Colossiens chapitre 3, versets 3 à 5. Car vous êtes mort, et un mort, il ne peut rien faire. Il ne peut pas servir Dieu. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes devenu l'église de son corps. Vous êtes donc Emmanuel, et Emmanuel est caché. Il vit en esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En moi. Amen. Et caché aux yeux du monde. Dans toutes ces églises qui sont visibles sont des fausses églises. Parce qu'elles ne ressemblent pas à Christ, elles ne sont pas cachées, elles sont visibles. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais en attendant, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie, etc. etc. Ça c'est une prière que Dieu nous a donnée, une prière pour être dépouillé et après être rempli. Une prière pour abandonner les œuvres de la chair, notre ancienne vie, mourir à notre ancienne nature, au vieil homme. Et la suite de la prière nous fait devenir un élu de Dieu. C'est pour ça que vous ne pouvez pas servir Christ correctement, parce que vous n'êtes pas encore devenu un élu de Dieu. Le verset suivant va vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création, elle a été rachetée. C'est le champ racheté par le Seigneur Jésus-Christ. La création, la terre, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous n'êtes pas encore révélé tel quel, puisque vous êtes caché. Il n'y a que quand Christ paraîtra et qu'il vous donnera le reste de la récompense que là vous serez révélé et que vous monterez avec lui dans sa gloire. Là vous serez vraiment fils de Dieu et là vous pourrez servir le Seigneur correctement. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier les amis, c'est que même si vous persévérez dans la persévérance des saints en espérant qu'à son retour Christ vous fasse paraître avec lui dans la gloire, eh bien rien n'est gagné. Donc il faut courir sur le chemin de la foi. Il faut persévérer, il ne faut pas abandonner le bon combat de la foi. Il ne faut pas perdre son premier amour, il faut être trouvé bouillant. Car Christ, à son retour, donnera le reste de la récompense à ceux qui ont gardé le bon dépôt. Et le bon dépôt, c'est l'évangile. L'évangile ne suffit pas, la foi sans les œuvres est morte. La foi vient de ce qu'on entend, l'évangile a été prêché dans le monde entier, il a été entendu par beaucoup. Mais tous ne le mettent pas en pratique. Quand tu mets en pratique l'évangile, tu gardes le bon dépôt. Et si tu as gardé le bon dépôt, peut-être, et je dis bien peut-être, parce que cette décision n'appartient qu'au Seigneur, peut-être quand Christ, le parfait, paraîtra dans la gloire du Père, de Dieu, se révélera au monde, vous donnera gratuitement le reste de la récompense. Ou peut-être même, il enlèvera à certains qui ont gardé le bon dépôt. Le bon dépôt, c'est donc un trésor aussi qui doit être caché en toi. Toi aussi, tu es le champ. Le monde, parce que la poussière de ton corps a été prise de la terre, du monde. Amen. Donc, Christ est bien caché, les amis. Il n'est pas révélé aux yeux du monde. Vous, vous le verrez, mais le monde ne le verra plus. Donc, toutes ces églises que le monde, qui sont dans le monde et qui sont visibles à nos yeux, ne sont pas Jésus-Christ.
Jésus-Christ, l'église de son corps, elle est cachée. Amen. Elle n'est pas charnelle, elle n'est pas visible. Il n'y a que quand il paraîtra, qu'il la montrera, qu'il la dévoilera, les enfants de Dieu seront révélés. Amen. Shalom, frère Robert, paix du Seigneur avec toi. Parce que c'est lui qui juge, les amis. Amen. C'est lui qui juge de tout. Tu peux garder le bon dépôt, et il y a peut-être quelque chose qui fait que tu n'es pas digne de recevoir le reste de la récompense. Tu n'es pas digne que le Seigneur te confie des choses plus grandes. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Dans la foi, donc dans l'espérance. On est sauvé en espérance, pas charnellement. La chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu, on l'a déjà dit. Amen. Le trésor est caché dans la terre. Amen. Il est caché dans un champ. Le trésor, il est caché en toi, dans ton esprit. C'est le Saint-Esprit consolateur, c'est Dieu. Par ma foi, je sers Dieu. Et comme je suis partielle par ma foi, parce qu'il faut que ma chair aussi soit transformée, je ne le sers pas véritablement. Je suis incomplet pour servir Dieu. Il faut être changé en un clin d'œil en un instant pour servir Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 43, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. C'est le corps, c'est la chair. La chair, faut qu'elle ait sa rédemption. Philippiens chapitre 3, verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Vous ne pouvez pas avoir le baptême du Saint-Esprit sur votre chair, car votre chair est comme le diable à l'heure actuelle. Elle a péché, elle vit dans le péché. Elle ne peut pas se soumettre à Dieu. Elle ne peut pas. La chair rend la loi sans force. Par contre, à Jésus-Christ, tout est possible, car Jésus-Christ est la loi, lui. La loi qui est pleine de force. Et dans sa volonté, lui peut changer votre corps, afin que vous ne soyez plus partiel, mais complet, et vous puissiez entrer au service de Dieu. Et les anges de Dieu ne sont pas de ce monde. On est étranger voyageur sur la terre, on est, comme je dis toujours, en cours de téléchargement pour devenir un ange et aller vivre dans le royaume des cieux, prendre notre co-héritage. On est en cours de transformation. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit Jésus devant Pilate. Si mon royaume avait été de ce monde, mon père m'aurait donné une armée d'anges. Donc on va revenir à la parabole du trésor, Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. L'homme qui a trouvé le trésor, c'est vous qui avez cherché Christ en profondeur. Vous avez sondé les Écritures avec le Saint-Esprit. J'arrive même pas à mes pauses. L'homme qui a trouvé le bon trésor, c'est Christ, on est d'accord au départ. Mais vous êtes devenu Christ, vous êtes devenu l'Église. Donc vous trouvez le Saint-Esprit parce que Dieu, Dieu seul peut trouver Dieu. C'est pour ça qu'il vous faut naître de nouveau pour trouver Dieu, pour trouver le Consolateur et savoir le servir. Amen. Enfin, apprendre à le servir. Alors attendez, je recule un petit peu. Entrer au service de Dieu. Et les anges de Dieu ne sont pas de ce monde. On est étranger voyageur. Donc on n'est pas visible. On n'est pas visible. Il n'y a plus ni homme ni femme en Christ, on est des anges. On ne peut pas être visible aux yeux du monde en ayant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reste caché comme un trésor. Amen. Sur la terre, on est, comme je dis toujours, en cours de téléchargement pour devenir un ange et aller vivre dans le royaume des cieux, prendre notre co-héritage. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit Jésus devant Pilate. Si mon royaume avait été de ce monde, mon père m'aurait donné une armée d'anges. Donc on va revenir à la parabole du trésor, Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. L'homme qui a trouvé le trésor, c'est vous qui avez cherché Christ en profondeur. Vous avez sondé les Écritures avec le Saint-Esprit. Vous êtes devenu l'homme, le corps église, le nouvel Adam. Vous êtes devenu aussi le trésor, parce que vous allez porter les vertus de Dieu. Un trésor
L'or est souvent rempli de choses précieuses. Hop, 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 hop. Ça va vite. Du coup, vous avez vendu tout ce que vous aviez parce que vous avez accepté de renoncer à vous-même, de vous dépouiller de votre ancienne nature, amen, pour pouvoir acheter le champ. C'est Christ. Christ est le trésor, mais Christ est le champ du royaume de Dieu, par contre, de la nouvelle terre. Amen. Parce que Christ est dans ce monde, mais il est aussi dans la nouvelle terre. Et donc, vous voulez pouvoir vous payer la vie éternelle, la nouvelle vie éternelle. C'est Christ qui paye la vie. La vie éternelle, c'est lui qui la donne, c'est toujours lui qui l'a donnée. Mais elle devient éternelle que quand vous avez un nouveau corps dans la nouvelle Jérusalem. Donc pour ça, il faut passer des ténèbres à son admirable lumière. Donc il faut ouvrir ce trésor de l'évangile. Il faut pouvoir regarder ce qu'il y a dans ce trésor, la valeur des choses qu'il y a dans ce trésor, des vertus de Dieu, de la vie éternelle. Il faut pouvoir le considérer, tout ça. Il faut l'examiner sagement. On ne pourra jamais le considérer parce que Dieu est un grand prix. Amen, est un grand prix. Dieu, la personne de Dieu seul, peut racheter toutes nos vies. Toutes nos vies. Et même s'il fallait après choisir entre Dieu et nous, même quand on est devenu parfait, Dieu, il a la valeur de même de nos vies parfaites, puisque c'est lui qui nous a rachetés, qui nous a rendus parfaits. Amen. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est ouvrir ce trésor de l'évangile, examiner le trésor, les choses de valeur, donc examiner Dieu en profondeur, comprendre Dieu, le connaître, amen, accepter ce qu'il a fait pour nous, le don qu'il fait pour nous, il nous donne ce trésor caché, amen, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu le Père, qui est Christ dans sa chair et dans son sang, afin qu'on puisse devenir nous aussi, du coup, le trésor et le prix, qu'on puisse puiser ce qu'il nous faut pour payer notre vie éternelle, amen. On la paye qu'avec Dieu, qu'avec ce bon trésor, le Saint-Esprit. On donnera à celui qui a trouvé le trésor, à celui qui a le Saint-Esprit. Sinon, on ne donne pas la vie éternelle. Amen. C'est un peu compliqué, tout ce que je suis en train de vous dire là. Mais les amis, c'est vraiment profond. Et c'est plus profond que ce que j'essaie déjà de vous dire. J'essaie déjà de vous faire comprendre. Enfin, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Amen, parce que j'ai tout reçu du Seigneur. C'est beaucoup plus profond que ce qui a été dit là. Voilà. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre. C'est du charabia ce que je suis en train de dire. Voilà. Il faut véritablement avoir le Saint-Esprit, les amis. Ce que vous allez porter, les vertus de Dieu. Un trésor est souvent rempli de choses précieuses, des pièces d'or, des bijoux, mais surtout de belles perles. La prochaine parabole sera la parabole du royaume des cieux et des belles perles. À quoi vous sert d'ouvrir un trésor si vous ne savez même pas la valeur des choses qu'il y a à l'intérieur? À quoi vous sert de regarder ces bijoux, ces pièces et surtout ces belles perles si vous ne savez pas la valeur de l'une et de l'autre? Si vous ne savez pas différencier un diamant d'une topaze, un rubis d'un émeraude? Jésus ne nous donne pas des choses. Ce n'est pas tout ce qui brille. Alors qu'est-ce que j'ai écrit là? Qu'est-ce qui m'a fait écrire là? Attendez. Ce n'est pas tout ce qui brille. À quoi vous sert d'ouvrir un trésor si vous ne savez même pas la valeur des choses qu'il y a à l'intérieur? À quoi vous sert de regarder ces bijoux, ces pièces et surtout ces belles perles si vous ne savez pas la valeur de l'une et de l'autre? Si vous ne savez pas différencier un diamant d'une topaze, un rubis d'un émeraude? Ce n'est pas tout ce qui brille qui a de la valeur. Le diable se fait ange de lumière. Et nous devons, me dit Jésus en esprit directement là, à l'instant même, nous devons savoir faire la part des choses. Un sage sait faire la part des choses. Un insensé, non. Les païens ne savent pas faire la part des choses. Ils prient, ils servent Dieu, mais tout en étant leur propre sauveur et en faisant des choses vaines. Ils mélangent les ténèbres à la lumière. Un sage, et c'est pour ça que Christ nous donne l'évangile, il nous donne sa sagesse, afin qu'on puisse séparer ce qui est vil de ce qui est honorable. Séparer de ce qui est des ténèbres et de ce qui est à Bélial. Rendre à César ce qui est à César. De ce qui est à Christ et de ce qui est glorieux, afin qu'on puisse séparer de nous ceux qui pêchent, qui ont pour père le diable, et s'unir qu'aux membres du corps de Christ qui sont saints, qui sont persévérants dans la sainteté, afin qu'on puisse reconnaître chaque arbre à son fruit.
l'arbre de vie Christ avec les fruits de l'Esprit Saint, les vertus de Dieu, et l'arbre, le figuier maudit, qui sera déraciné et enlevé de la terre, retranché. Amen. Donc le diable, avec les œuvres, les fruits maudits de la chair. Jésus ne nous donne pas des choses pour qu'on soit perdu avec. Il nous donne des choses pour qu'on puisse s'en servir. Il nous donne des choses pour qu'on puisse les revêtir et s'en servir. C'est comme l'armure du bon combat de la foi. Il faut savoir s'en servir. Prenez toutes les armes de Dieu, commandement de Christ. Mais il y en a qui ne combattent même pas le bon combat de la foi. Ayez en vous cette belle parure intérieure cachée, dit le Christ. Et cette belle parure intérieure cachée, c'est celle du trésor. C'est celle de Christ. Nous sommes devenus son corps. Nous allons revêtir les perles précieuses du pectoral de Melchizedek. Les pierres précieuses. J'ai dit perles alors que c'est pierres précieuses de Melchizedek. Nous allons revêtir cette robe pour les noces, cette couronne du salut. Mais si on ne sait pas la valeur que ça a, si on ne sait pas à quoi ça sert, on est un insensé, et les insensés n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Un sage peut marcher dans la lumière de Christ. Un sage a de la connaissance. Un sage peut apprécier les choses. Un insensé ne peut pas apprécier les choses, il marche dans les ténèbres. C'est pourquoi, me dit Jésus-Christ, tu comprends pourquoi j'ai dit à l'Église, il faut que vous ayez qu'un seul maître, qu'un seul chef, qu'une seule tête, qu'un seul cerveau qui réfléchit pour vous, qu'un seul berger qui vous guide, parce que lui sait où il va, le Seigneur. Le Seigneur Dieu sait trouver Dieu. Il connaît le chemin pour aller au royaume des cieux. Jésus est le chemin de vérité pour la vie éternelle. Il faut surtout pas se tromper d'ange, de chérubin qui nous conduit. C'est Michaël qui doit nous conduire, c'est pas Azazel. Telle une truie lavée se couche dans le bourbier, faut pas donner des choses saintes et glorieuses à un porc. Faut pas donner des choses saintes et glorieuses à un chien. Donner de bonnes choses à un chien, il ne va pas les apprécier. Un chien ne cherche pas à avoir la sagesse et connaître même le nom des produits, des choses qu'il mange. Un chien, les saveurs, non. Il s'en fout. Non. Un chien mange pour manger. Un païen prie Dieu histoire de prier. Un païen prie Dieu mais en péchant. Il fait des longues prières pour les belles apparences, un peu comme le pharisien dont on a parlé tout à l'heure. Nous, nous prions Dieu pour le servir, bien que nous ne le servons pas encore complètement. On le sert partiellement. On ne le sert pas avec la chair, on le sert avec l'esprit, le bon dépôt que Christ nous a donné, la première part de la récompense. Si on donne nos belles perles, donc les choses du Saint-Esprit, à un chien ou un porc qui ne peut les recevoir, le chien ou le porc se tournera contre nous et nous déchirera, nous qui sommes des lettres de Christ, écrits non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu sur la table de nos cœurs. Je vais reprendre le verset qui dit ça, hein. Amen. Vous êtes des lettres de Christ, verset biblique. Selon Bible.com, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Amen. Donc laissons Christ caché à l'intérieur de nous. Amen. Ça ne sert à rien de discuter avec tout le monde, on ne doit pas avoir de discours vain, et on ne doit pas perdre notre temps. Nous. On ne doit pas faire comme les folles surtout, amener n'importe qui dans un lieu de culte, pour que ce n'importe qui, n'importe quoi, se convertisse à Dieu. C'est ridicule. Nous, nous parlons à des gens convaincus, qui sont des lettres de Christ, qui ont le Saint-Esprit. Nous, nous nous unissons avec ceux que Dieu a fait baptiser, a appelé dans l'eau du baptême, et avec ceux que Dieu a mis dans les douleurs de l'enfantement, a mis dans l'enfantement pour la nouvelle naissance. Nous parlons avec les vrais membres du corps de l'Église. On ne parle pas avec des sectes et des religieux. Même par la grâce de l'Éternel et l'Évangile de Christ, nous sommes devenus un coffre-fort dans lequel il y a tout un trésor, l'Esprit de Christ. La lettre de Christ, amen, écrite dans la table de nos cœurs. Donc ça ne se voit pas,
Ça se voit pas parce que seuls ceux qui ont le Saint-Esprit, qui partagent les mêmes choses que nous, les mêmes convictions que nous, donc Christ qui nous unit en esprit, ben seront, ils auront le même cœur que nous, ils auront les mêmes pensées que nous, ils auront les mêmes choses que nous, les mêmes vertus. Donc seuls ceux-là pourront nous reconnaître. Amen. Et dans notre joie, nous abandonnons, nous vendons ce qui est partiel, qui est temporel, qui est charnel. Amen. Pour laisser place à la vie de Christ. Amen. Aux choses nouvelles. À ce que Christ a pu restaurer, selon Amen. Dieu. Qui dit coffre, dit trésor. Qui dit trésor, dit clé. On va prendre des mots-clés. Donc on va prendre butin, clé, trésor. Voilà. J'aurais dû hier soir faire le live. Je regrette, hein. Même fatiguée, j'aurais dû venir le faire parce que c'était pas long quand même ce qu'il me demandait de faire. Parce que du coup, hier soir, ça vous aurait préparé pour aujourd'hui, pour recevoir ça. Mais bon, j'ai inversé les choses, je demande pardon au Seigneur. Voilà, je préférais aller me coucher que de venir travailler pour le Seigneur. Votre trésor, amen. Alors attendez. J'ai mis une musique, alors si elle est en plus, elle est en avancée, elle sera pas belle. Non. Un chien mange pour manger. Alors attendez. Un païen. Faut que je mette pause. Parce qu'il y a un verset à prendre. Un païen prie Dieu, mais en péchant. Fait des longues prières pour les belles apparences. Un peu comme le pharisien dont on a parlé tout à l'heure. Nous prions Dieu pour le servir. Bien que nous ne le servons pas encore complètement. On le sert partiellement. On le sert pas avec la chair, on le sert avec l'esprit. Le bon dépôt que Christ nous a donné. La première part de la récompense. Si on donne nos belles perles, donc les choses du Saint-Esprit, à un chien ou un porc qui ne peut les recevoir, le chien ou le porc se tournera contre nous et nous déchirera, nous qui sommes des lettres de Christ, écrits non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu sur la table de nos cœurs. Amen. Amen. Donc laissons Christ caché à l'intérieur de nous. Amen. Ça ne sert à rien de discuter avec tout le monde, on ne doit pas avoir de discours vain. Alors il y a un verset, Colossiens 4, verset 6, ça tombe bien que je recule finalement. Colossiens chapitre 4, verset 6. Selon AELF 06, que vos paroles soient toujours bienveillantes, qu'elles ne manquent pas de sel. Vous saurez ainsi répondre à chacun comme il faut. Voilà, on doit savoir répondre à chacun. Si c'est un porc et un chien, un serpent ou un scorpion devant moi, tu crois que je peux parler avec lui comme si c'était un disciple de Jésus? Et là, j'ai le Seigneur Jésus lui-même, hein, qui dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Ses vrais disciples se reconnaissaient parce qu'ils traçaient un ictus. Et là, ils savaient qu'ils pouvaient parler ensemble. Mais il ne fallait rien donner aux gens du monde. Amen. Il fallait laisser à part les gens du monde. Jésus parlait en parabole pour cette raison-là. C'est qu'il était une pierre d'achoppement pour ceux qui devaient se perdre. Ceux qui venaient l'écouter, comme les pharisiens venaient l'écouter. Mais ils venaient l'écouter en étant païens, pour se disputer avec lui. Pour dire à Dieu, t'as pas le droit de me juger, moi j'ai des œuvres, j'ai accès au paradis parce que j'ai une religion qui s'appelle le judaïsme. On doit s'humilier sous la puissante main de Dieu, les amis. Le corps de Christ, l'Église, a le fruit du Saint-Esprit, l'humilité. Et l'amour. On ne doit pas avoir de discours vain et on ne doit pas perdre notre temps. Nous-mêmes, par la grâce de l'Éternel et l'Évangile de Christ, nous sommes devenus un coffre fort dans lequel il y a tout un trésor, l'Esprit de Christ. Amen. Et dans notre joie, nous abandonnons, nous vendons ce qui est partiel, qui est temporel, qui est charnel. Comme le faisaient les prémices de l'Église, ils vendaient leurs biens charnels. Et ils mettaient tout en commun, voilà, pour vivre les restants de leur vie charnelle, mais en faisant la volonté de Dieu, pas en vivant selon le monde. Pour laisser place à la vie de Christ. Amen. Aux choses nouvelles. À ce que Christ... Alors, ça y est. Faut que quelqu'un me téléphone et il faut que clé. Je coupe. Donc on va prendre butin, clé.
Voilà, butin, clé et trésor. Et on va prendre le verset d'Ésaïe 53, 12. Il faut se rendre compte que nous sommes, voilà, des brebis. On est des brebis. On va prendre le verset Ésaïe 53, 12. Mais nous, on doit se rendre compte que nous sommes des brebis et que nous faisons partie même du butin. Voilà pourquoi Jésus-Christ revient comme un voleur pour dépouiller l'homme fort qui, lui, cherche à garder charnellement le monde, parce qu'il sait que dans le monde, il y a un trésor. Le diable cherche à nous dévorer. Parce que ceux qui sont déjà dans le monde, ils sont déjà morts, et il ne veut pas dévorer des choses qui sont mortes, des cadavres. Le diable veut manger ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur. Et ce qu'il y a de meilleur, c'est les brebis engraissées par la parole de Dieu. Nous sommes devenus le trésor dans le champ, dans le monde. Et le diable veut attaquer Christ. Nous avons pour ennemi le diable. Le monde nous fait toutes ces choses parce que le monde nous hait. Parce que le monde nous hait parce qu'on ne lui appartient pas. Et le monde nous veut, le monde nous convoite. Le diable convoite nos âmes, le diable convoite l'église de Christ. Parce qu'elle est un trésor. Et donc, on va prendre Ésaïe 53 pour comprendre qu'on est des brebis de Christ, mais qu'on fait partie du butin. On va prendre le mot-clé. Les mots-clés. Alors, les mots-clés, on aurait dû le faire hier soir. Vous auriez tout de suite compris de quoi je vous parlais. Mais ça, on va le faire. Il faut que je revienne ce soir. Il faut que je fasse ce que j'aurais dû faire hier. Parce que ça, vous avez besoin de le savoir dans le langage de Christ. Amen. Et c'est ce qu'on va faire ce soir, ce qu'on va faire là déjà, vous en avez un aperçu, parce que c'est ce qu'on fera du coup la même chose ce soir. Christ, il nous le fait faire assez souvent, pour nous édifier, nous faire grandir à bon coup. Amen. Donc on va prendre Marc 3, verset 27. Marc chapitre 3, verset 27. Selon AELF, 27, mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. 28 Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Oui, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Le diable, le monde, c'est un champ, mais sur lequel le diable lui-même est propriétaire. Il est comme si qu'il était propriétaire, alors qu'il a été vaincu. Et le monde, le diable, il veut garder ce monde, il veut nous garder captifs, il veut garder ce champ. Il veut le clôturer, il veut l'enfermer, le mettre dans un camp de concentration, parce qu'il sait que dedans, il y a un trésor. Et le diable n'a pas accès à ce trésor, il n'a pas accès à nous. Amen, on vit en dehors de lui. Même si on est dans le champ, même si on est dans le monde, on est en dehors de lui. Et le diable, il nous convoite, il cherche à nous dévorer, il cherche à faire acquisition de nos âmes, donc faire acquisition du trésor. Le diable nous cherche. Le diable nous cherche en espérant nous trouver. D'accord ? Il fait le tour de nous, voilà. Mais dans ce champ, c'est comme si le diable sait qu'il y a un trésor, mais comme s'il ne l'avait pas encore trouvé. Voilà. Et seul le Seigneur Jésus, qui est plus fort que le diable, pourra venir lier l'homme fort, donc le diable, et piller sa maison, donc piller le monde. Piller le monde, mais Jésus, il prend pas tout et n'importe qui au ciel. Il prend ni impudique, ni idolâtre, ni adultère, ni efféminé, ni il y en a encore tout un paquet d'autres que je ne peux pas citer par cœur. Mais il prend avec lui que ceux qui font partie du trésor. Amen. Et ceux qui font partie du trésor, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Donc ceux-là seront emmenés, seront enlevés, seront changés. On donnera à celui qui a. Et après, on redescendra sur la terre et on fera acquisition même du champ. Amen. Donc de la terre, du monde. Voilà. Alors, on va prendre des mots-clés. Mais avant ça, on va écouter une musique, parce que j'ai fait une musique spéciale. Spéciale pour le Seigneur. Notre trésor. Hein? Clé. Trésor. Allez, on va écouter une musique que j'ai faite tout particulièrement pour la parabole du trésor, pour Christ, Amen. Notre trésor. Amen. Oh, quand il revient au milieu de la nuit comme un
monde. Oui, je l'adore. Oui, je l'adore. Quand il me dit je t'aime, Jésus mon sauveur. Oui, je l'adore. Oui, je l'adore. Et quand il juge de tout, et même s'il devient méchant, c'est évident. Je m'amuse à l'admirer encore et encore. Jésus-Christ, mon trésor. Pris pour un fou, un voyou. Mais voyez-vous, malgré tout, mon Messie pour tout. Oui, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. Il a vaincu le loup qui sauvagement nous mord. Oui, je l'adore, oui, je l'adore. Jésus-Christ est si doux comme un enfant qui dort. Oui, je l'adore, oui, je l'adore. Même s'il lui prend l'envie de suivre le vent du nord vers un nouveau port. Pour son Dieu Père et ses merveilleux trésors, quand toujours je l'adore. Pris pour un fou, un filou. Mais voyez-vous, malgré tout, mon Messie peut tout. Oui, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. Vers un nouveau port. Pour son Dieu Père et ses merveilleux trésors, comme toujours je l'adore. Pris pour un fou, un filou. Mais voyez-vous, malgré tout, mon Messie peut tout. Oui, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. Oui, je l'adore, oui, je l'adore. Alléluia, amen. Donc Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, amen. C'est le trésor, la grâce qui peut tout, c'est le Messie, amen. Donc on va prendre des versets, les amis, on va prendre des versets, on va prendre le verset clé. Alors est-ce qu'il recharge ce machin là? Excusez-moi, je vais regarder... Regardez si cette affaire recharge. Non, ça ne recharge pas parce que c'est même pas branché. Alors, excusez-moi les amis, c'est les aléas du direct. Je suis désolée. Donc, on va prendre des mots-clés. Donc, un coffre, ça a une clé. On va prendre clé déjà. Et on va prendre le verset biblique par rapport aux mots-clés. Je tombe sur un seul verset. Voilà, Pierre est les clés du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le Père. Et Pierre avait appris le code pour connaître le Père. C'est pour ça que l'Église, d'ailleurs, après, Pierre en est un peu le chef. Un peu, parce que l'Église n'a qu'un seul chef. Il est le chef de l'Église que pour un temps. Matthieu chapitre 16, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors j'ai mon mari qui parle avec moi, pardon chérie, qu'est-ce que tu dis? Il a été chef que pour un temps, parce que de toute façon, vous ne connaissez plus personne selon la chair. Donc, quand l'Église catholique romaine, la secte romaine, elle dit que Pierre est le chef, le pape de l'Église, c'est comme si on connaissait toujours Pierre selon la chair. Voilà, ils anéantissent les Écritures. C'est diabolique. Hein. Le seul chef, c'est le royaume des cieux, c'est le Père. Amen. Alors, on va prendre un autre verset. On va prendre un autre. On va prendre d'autres versets. On va prendre les versets butin. Un butin, c'est un trésor. C'est un synonyme de trésor, en fait. C'est pour ça qu'on prend butin et trésor. Mais trésor, on le fera après. Voilà. Et là, il y en a un petit peu plus.
Il y a apparemment 14 versets sur le butin dans la Bible. Alors, je ne vais pas citer à chaque fois Genèse 34, 28, Exode 12, 36, Nombre 31, 9, parce que c'est ce qui nous embrouille. Mais je vais vraiment lire, comme si c'était qu'un message de Dieu, tous les versets. « Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. » C'est un butin. « L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens de leur butin. Les enfants d'Israël firent prisonniers les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tout leur troupeau et toute leur richesse. C'était le butin. Seulement nous pillâmes pour nous le bétail et le butin des villes que nous avions prises. » Le bétail faisait partie du butin des villes. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin. Devant l'Éternel ton Dieu, elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle ne sera jamais rebâtie. Donc, comme vous le savez, à Jérusalem, il ne faut pas y aller. Ce n'est ni à Jérusalem ni sur une montagne que vous adorerez Dieu. Et vous savez que la ville de Jérusalem brûlera. Parce que là-bas, les pharisiens se faisaient Dieu. Ils étaient complètement possédés par le péché. Et ils se sont amassés, donc les juifs charnels, se sont amassés un grand butin. Au point qu'aujourd'hui, Jérusalem est la capitale du nouvel ordre mondial, donc de l'Antéchrist. Et Jérusalem, qui sera aussi combattue par l'Antéchrist, parce que les démons de toute façon se battent entre eux, Jérusalem sera pillée. Dieu viendra lier l'homme fort. Amen. Et récupérer le butin. Il leur enlèvera même ce qu'ils ont, charnellement, leur maison, leur voiture, tout ça, parce qu'ils n'emmèneront rien avec eux. Hein. Dans la colère de Dieu, tu y vas sans ta baraque, sans rien. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin. Et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livrées. Donc les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qu'il y a dans une ville, c'est un trésor, c'est un butin. Et nous sommes, nous, la Nouvelle Jérusalem, le trésor de Dieu. Puisqu'on a revêti Christ et la terre avec tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu et Christ est semblable à Dieu. Amen. Je voulais dire, les paraboles du Seigneur sont profondes. Plus profonde que vous ne pouvez vous imaginer. Vous avez eu qu'un petit aperçu aujourd'hui. Et franchement, je me suis dit, chouette, j'ai fini les enregistrements, je vais faire les paraboles de Christ. Alors là, ça va aller vite dans les enregistrements. Je ne m'attendais pas à ça. Mais dites-vous bien que le Seigneur ne vous donne pas les profondeurs entières, parce qu'il y a les serpents, les scorpions, les chiens, les porcs qui écoutent aussi. Donc, il ne vous donne qu'un aperçu des profondeurs des paraboles. C'est pour ça que l'Église avait pour symbole un poisson, un ichthus, parce qu'un poisson, il va dans les profondeurs sans avoir peur. Hein. Et l'Évangile, c'est l'eau que donne Christ, l'eau de vie. Venez à moi si vous avez soif. Voilà, et c'est l'eau du baptême dans lequel on est plongé, immergé. On est des ichthus, on devient un poisson. Amen. Seuls les vrais disciples de Jésus comprendront. Là, on comprend plus que partiellement, ce qui ne peut pas nous donner tout ce qu'on ne peut pas supporter. Mais le jour où on va entrer en lui, on va comprendre véritablement les profondeurs de Christ, enfin tout ce que Christ voudra nous faire connaître véritablement, quoi. Amen. On va connaître le Père, on va entrer en sa présence. Le royaume des cieux est semblable à des pêcheurs d'hommes qui pêchent les bons poissons, les mettent dans des nouveaux vases, dans des nouveaux corps, et rejettent les poissons qu'il y a dans leur filet, mais qui sont des mauvais poissons, des mauvais ichthus, des mauvais disciples dans l'Église de Christ. On va faire toutes les paraboles... si le Seigneur le veut, amen, parce que moi je pensais que je les enregistrerais comme les histoires bibliques, un petit peu en résumé, puis c'était terminé. Mais en fait, non, le Seigneur nous donne de les comprendre déjà partiellement, il nous prépare, amen, à être parfait. Donc nous, on fait partie du butin, les amis, aussi. Le Seigneur doit venir lier l'homme fort pour récupérer ce qu'il y a, le trésor dans le champ. Et le trésor dans le champ, c'est le corps de Christ, c'est l'Église, amen. Si le diable se bat encore avec Dieu,
lutte encore contre Dieu, c'est pour empêcher l'Église de sortir. Parce que le diable sait que si il reste qu'avec des gens mauvais, des hommes impies, des méchants, des gens qu'il a fait tomber, qui aiment le péché, qui l'aiment lui, qui l'adorent lui, il sait qu'il va mourir, il va être brûlé. Donc le diable se bat comme un acharné pour pas nous laisser sortir. Et il a eu encore le toupet de me dire hier, je t'aime. Alors que j'ai littéralement signé un contrat avec le Seigneur, donné mon âme au Seigneur. Parce que le diable s'est forcé à me faire tomber encore et encore et encore et encore. Il m'aime pas, il est incapable de m'aimer. L'amour du méchant est plus dangereux que sa haine. Amen. Il est incapable de m'aimer. Mais c'est juste parce que s'il me fait tomber, il fait tomber aussi... s'il fait tomber la mère des élus, il fait tomber aussi tous les élus, quoi. Donc, il m'aime pas. Il a juste envie de s'assurer que je reste. Parce que si je reste... Le Seigneur Dieu ne revient pas. Ou si le Seigneur Dieu revient, il brûle tout. Et le diable aura la victoire. Et le diable, jusqu'au bout, il veut quand même une victoire. C'est juste pour son égoïsme qu'il me dit ça. Mais même s'il me dit ça, ça ne changera pas le fait que j'ai donné mon âme à Jésus. En plus, pour 10 ans. Donc, si Jésus ne revient pas dans 10 ans, je renouvellerai le contrat. Mais je sais très bien que Jésus reviendra avant. Amen. Et je sais très bien que le diable ne m'aime pas. Et s'il cherche à me dire ça et tout ça, c'est histoire de me faire culpabiliser, c'est histoire de... Parce que derrière, il continue à m'attaquer, hein. Il continue à mettre le paquet, à nous attaquer. Je vous ai dit, hier soir, je devais venir lire l'histoire du Jardin d'Éden, regarder un petit peu le sens caché, voilà, puis vous faire écouter une musique nouvelle. Je suis pas venue. J'ai été fatiguée d'un seul coup, comme alourdie, comme... j'ai pas pu venir. Je viendrai ce soir si Dieu le veut. Amen. Voilà. Alors, tu prendras pour toi les femmes, les épouses, les enfants. Le royaume des cieux appartient aux enfants, ceux qui leur ressemblent. Le bétail, donc les brebis fraîchement baptisées, les petits agneaux. Tout ce qui sera dans la ville, donc dans la Nouvelle Jérusalem, dans le monde, dans le champ, tu prendras tout son butin, le trésor. Et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livrées. Voilà. Donc ceux qui ne sont pas sauvés serviront de nourriture. Hein. Juge, chapitre 5, verset 30. Alors j'avais dit que je ne le disais pas, mais bon, c'est pas grave, il est dit. Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, deux jeunes filles par homme. Alors selon la chair. Hein. Une jeune fille, deux jeunes filles par homme. Donc les hommes avaient droit à avoir plusieurs femmes, c'est le cas notamment de Jacob avec Léa et Rachel, dont vous connaissez l'histoire. Ça, c'était au temps des juges, et c'est parce que les hommes étaient charnels. Une jeune fille, deux jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodé, un vêtement de couleur, deux vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Nous courons tous dans un seul et même stade, cette parole-là, cette parabole-là, il faudra qu'on la voie. Je vais regarder d'ailleurs si je l'ai notée parce que... Excusez-moi, je crois que je l'ai déjà notée. La parole la parabole de l'athlète, du coureur dans le stade, voilà. Il y a des paraboles de Jésus, des fois vous ignorez que c'est des paraboles. Et il est bon qu'on les voit ensemble. Alors moi, je pensais faire comme les petites histoires bibliques, juste les citer. Mais en fait, non, le Seigneur nous donne un aperçu. Amen. Partiellement. Donc, là, c'est pareil. Dans Juge, il y a du sens caché. Le Seigneur Jésus nous donne un vêtement de noces. Il donne des vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Donc, pour ceux qui ont couru dans le stade et qui ont vaincu, qui ont été jusqu'au bout de la course. Et il se jeta sur le butin, il prit des brebis, des bœufs et des veaux, il les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. Alors là, il y a du sens caché. Celui qui ne se met pas en peine des brebis, c'est le diable. Et le diable, il cherche qu'à égorger, c'est un mauvais berger. Il donne de la nourriture, mais de la nourriture empoisonnée. Il donne des enseignements, mais des enseignements mensongers par toute une foule de docteurs, de pasteurs et de gens qui vivent selon la chair, selon leurs propres désirs, leurs désirs immondes, répugnants, leurs désirs de pécheurs.
Il prit des brebis, il prit des bœufs et des veaux, il les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. Le diable, il cherche à dévorer nos âmes. Le diable est un esprit. Il faut qu'il possède des corps. Et une fois qu'il possède des corps, ben, il va faire des rituels sataniques à des gens qui sont charnels, qui ont pactisé avec lui. En échange de gloire et tout ça, ces gens devront violer, torturer d'autres personnes et manger et boire leur sang. Et là, le diable, l'âme est dans le sang. Le sang est dans la chair. Donc, il faut manger la chair et le sang. Et manger donc l'âme, et tu peux nourrir les esprits qui rentrent en toi. Et des fois, tu as 7 ou 8 démons qui doivent manger, donc il faut faire plusieurs rituels. Des fois, c'est toute une nuit, des nuits entières, qui font plusieurs rituels de personnes. Ils font des complots contre la vie du juste, c'est ce que nous dit le Seigneur dans le psaume 10, hein. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins, ils pillèrent leur camp. Les enfants d'Israël, maintenant c'est nous, et quand le Seigneur Jésus va paraître dans la gloire, on va aller avec lui, on va revêtir des corps et après on va venir piller le monde. La terre est à nous, avec tout ce qu'elle renferme, puisque la terre appartient à Dieu. Donc il faut qu'on soit Dieu pour reprendre les choses de Dieu aussi. Amen. Voici Joab et les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était pas plus auprès de David à Hébron. Je me dépêche, chérie, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Ensuite, le peuple sortit et pilla le camp des Syriens et l'on eut mesure de fleurs de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle, selon la parole de l'Éternel. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, comme Babylone, hein, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Alors ça, c'est dans 2 Chroniques, hein, c'est un verset à part de celui que je viens de vous lire d'Asa. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 25. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporté. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Alors, dépouiller des morts, normalement, ça ne se fait pas, parce que le peuple juif avait la loi du Lévitique. Tu ne toucheras pas un mort, donc même les objets qui lui appartiennent. Mais si c'est l'Éternel qui t'ordonne de dépouiller des cadavres, eh bien, tu dépouilleras des cadavres. Amen. D'abord, c'est ce qu'on fera, nous. On dépouillera des cadavres sous l'ordre de l'Éternel à son retour, parce que les gens qui sont dans le monde sont comme morts. Ils sont comme morts, ils ne vivent pas avec la vie de Christ en eux. Donc ils sont déjà morts. Amen. Shalom, Leïla, que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Dolores, Leïla. Donc on va faire la même chose, les amis, avec le mot trésor. Puis des fois, vous pouvez le faire à la maison, sous forme de jeu. C'est ce qu'on va faire un petit peu aussi ce soir. Parce qu'on a des mots-clés comme ça à rechercher aussi ce soir. Par contre, à un moment, je vais vous lire les versets, puis vous devrez retrouver le mot-clé qui revient. Là, c'était butin. Là, ça sera trésor. Et ce soir, ben, ça sera d'autres mots, parce que c'est ce qu'il a prévu aussi qu'on fasse. Amen, le Seigneur. On s'ennuie pas avec le Seigneur. Amen. Allez, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Le trésor, c'est l'évangile, c'est le Saint-Esprit consolateur. Le vase de terre, c'est notre chair, notre corps. Et c'est important de prendre des mots-clés comme ça des fois, parce que c'est ce qui permet à Christ de vous donner, comme quand tu donnes à un enfant des petites cartes avec des images dessus, puis que tu lui apprends le langage. Ça, c'est des chaussons, ça, c'est un doudou, ça, c'est un ballon. Voilà, tu lui donnes les petites cartes qui correspondent, les images qui correspondent, et tu lui mets des mots dans la tête. Et ces mots-clés, où tu prends tous les versets, ça vient t'édifier dans le sens caché, dans le langage caché. Donc, il est bon de le faire. Amen. Il est bon de le faire. Moi, j'ai déjà fait plein de fois. J'avais fait plein de vidéos comme ça que j'avais partagées, mais mon compte... Je ne l'ai plus, avec les mots-clés, le sens caché. C'était très, très enrichissant pour ceux qui avaient envie d'aller lire. Et puis, voilà. Mais j'ai plus le compte.
Et puis évidemment, je pourrais pas le refaire, mais Christ nous fait le refaire. Il y a jamais rien de perdu avec lui parce que c'est en lui. Le diable, il peut péter nos comptes YouTube, il peut déchirer la Bible, il peut faire tout ce qu'il veut. D'accord ? Attaquer autant qu'il veut, mais ces choses-là, on les perdra jamais, parce que ces choses-là, c'est les richesses qu'il y a dans le trésor, le Saint-Esprit, et même si nous, on les perd, ou qu'on les a oubliées, ou qu'on ne sait plus, ou parce que notre Bible a été déchirée, ou notre compte YouTube a été pété, ou machin, le Seigneur nous ramène, et nous refait faire les choses. Amen. Il nous redonne. J'avais pleuré pour mon compte YouTube qui avait été explosé par les démons, hein, puis pour certains comptes TikTok, mais après, il ne faut pas pleurer, les amis. Parce que tout mal concourt au bien des justes, puis ça te permet de te rendre compte qu'en fait, même si t'écris tout, même si t'as tout, bah t'es pas maître des choses. Ce savoir-là, tu peux le perdre, le diable peut te les faire perdre. Mais finalement, Dieu veut que tu comprennes que tu les perdras jamais, parce que c'est écrit sur la table de ton cœur. Et lui, il est ton cerveau, ton chef, ta tête. Il est le savoir, il est ton maître, et il sera un plaisir de tout te rappeler, tout te ramener. Amen. Il est magnifique le Seigneur, les amis. Amen. Louons l'Éternel, bénissons Jésus-Christ notre roi. Amen. Alors, mais vous, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Là aussi, il y a du sens caché, mais on n'a pas le temps de faire tout le sens caché. Et ce serait bien que si un jour on a du temps et qu'on s'ennuie, qu'on prenne tous les mots-clés, tous les versets, qu'on fasse le sens caché de tous les versets. Ça nous ferait faire aussi un temps d'étude, non sur un chapitre, mais sur le sens caché, voilà, sur ce que Jésus veut nous édifier, voilà, sur le langage, amen, caché. Donc le Seigneur nous demande de nous amasser des trésors dans le ciel. Tant que je travaillerai avec la chair, j'amasserai des trésors sur la terre. On n'est pas des païens pour faire ça. Donc maintenant, je sais que je peux pas servir Dieu totalement en esprit. Parce que il faut que je ressemble à Christ. Christ, c'est l'Esprit de Dieu dans un corps charnel avec du sang. Là, je ressemble à Christ, mais partiellement. Je n'ai reçu que du Saint-Esprit dans mon âme. J'ai reçu que Dieu le Père dans mon âme. Enfin, il y a Dieu le Fils, parce que Dieu le Fils et Dieu le Père sont un, sont le Saint-Esprit. Mais il faut que je sois changé en un clin d'œil en un instant, dans un nouveau corps, un édifice qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui est au ciel. Il faut que je change de corps. Et là, je pourrais m'amasser des trésors totalement dans les cieux, mais mon nouveau corps ne me fera pas amasser des trésors dans les cieux, parce que dans les cieux, il a déjà un co-héritage. Et mon nouveau corps me fera amasser, par contre, des trésors après sur la terre quand j'y redescendrai. En attendant, je suis partiel, j'ai le Saint-Esprit de Dieu, même si j'ai pas encore mon nouveau corps, la totalité de la récompense, on donnera à celui qui a, donc ça veut dire que j'ai déjà un bout de la récompense, mais j'ai pas la totalité. Je dois m'amasser un trésor dans le ciel. Donc je dois utiliser le Saint-Esprit que Dieu me donne, comme l'armure du bon combat de la foi, ou la parure intérieure cachée que Dieu me donne, les vertus de Christ, pour amasser un trésor dans le ciel. Amen. Et ce trésor que je vais amasser dans le ciel, c'est ma seconde partie de la récompense, donc c'est mon nouveau corps. C'est mon co-héritage dans le royaume de Christ. Amen. Donc, il faut bien que je serve Christ en esprit. Amen. Que je cesse de faire des œuvres dans la chair. Alors, il y en a qui vont paniquer, qui vont dire, c'est quoi finalement les œuvres de la chair? Cherchez premièrement les choses d'en haut et tout vous sera donné au niveau de la chair. Voilà. Il y en a qui disent, est-ce qu'il faut que j'abandonne mon travail? Non, c'est à Christ qu'il faut que tu poses cette question. Parce que des fois, oui, il faut que tu abandonnes ton travail. Parce que ton travail te rend impur. Il y a des travaux qu'un disciple de Jésus ne peut plus faire. On en avait parlé, ça. Et je vous ai dit, moi, je n'ai pas les profondeurs de toutes les choses. Je suis un bout du membre de Christ, mais je ne suis pas dans l'entièreté Christ. Donc, je ne suis pas le juge sur vous pour vous dire quoi faire. Et je n'ai pas le droit d'utiliser votre liberté. J'ai une grande autorité, c'est vrai, mais j'ai pas l'autorité quand même, tout pouvoir, toute autorité du Christ. Amen. Le Seigneur, il dit qu'il préfère vous voir travailler quand même dans le monde, garder votre emploi, plutôt que de voler les autres. Donc si ton emploi ne t'empêche pas d'avoir une vie en esprit et de travailler pour le Seigneur, garde ton emploi. Ce que le Seigneur, il entend dans les œuvres païennes, c'est les impudicités, les œuvres de la chair, quoi, qui sont citées dans Colossiens chapitre 3. Les impudicités, la magie, l'idolâtrie, toutes ces choses-là, c'est ça les œuvres de la chair. Amen. Amassez-vous un trésor dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
Christ est un voleur qui revient au milieu de la nuit. Ça aussi, c'est une parabole. Amen, la parabole du voleur. Il vient dépouiller l'homme fort, le diable, qui nous avait déjà tous volé, qui avait volé le monde, voilà, qui pensait avoir volé le monde. Mais il n'a rien volé du tout. Il va se faire piller. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc ça, c'est la parabole que nous avons étudiée, la parabole du trésor. Voilà. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Les prémices de l'Église ont vendu leurs biens charnels, leur maison, leur terrain. Ils ne cherchaient pas à vivre avec... En dépend du monde, même si leur chair avait des désirs. On a tous le désir d'avoir une belle voiture, on a tous le désir d'avoir une belle maison, de faire acquisition d'un terrain, de devenir propriétaire. Qui n'a pas envie de ça? Ça serait mentir de dire non. Mais malgré leur désir, les disciples ont vendu. Ils ont vendu les choses charnelles pour offrir ce qu'ils pouvaient récupérer en argent ou en dons. Voilà, faire des dons, avoir de la charité, mettre tout en commun les uns les autres, et puis pour vivre selon Christ, se contenter du peu. Voilà, ils avaient gardé quand même des lieux où pouvoir dormir ensemble, pouvoir manger ensemble, pouvoir étudier ensemble, mais après ils ne vivaient pas pour ces choses-là, les amis. Ils vivaient vraiment pour le Seigneur Jésus, pour l'esprit de vie qui était en eux. Alors je vais me dépêcher parce que mon mari me dit de me dépêcher. Et même je regarde toute chose comme une perte, voilà, toute chose charnelle comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. On doit gagner Christ. Là, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que même tu persévères dans les choses saintes, de la persévérance des saints, que t'as tout gagné. En fait, t'as pas gagné. Il faut continuer le bon combat de la foi, il faut continuer jusqu'à ce que Christ revienne, parce que c'est que quand Christ dira « Toi, viens ici dans ma gloire », que là tu diras « Ça y est, la course est achevée, la course est gagnée. » Amen. Le bon combat de la foi est gagné. Donc il faut regarder toute chose comme une perte, même ta propre vie charnelle. Mais il ne faut pas non plus te laisser un point, ne plus te coiffer, ne plus prendre soin de toi et te sentir mauvais et tout ça. Non, il faut faire le minimum, voilà, le minimum, te laver, te maquiller rapidement, te coiffer, prendre soin de toi, mais voilà, nourrir ton corps encore charnellement, mais faut faire le minimum, faut pas vivre pour ces choses-là. Avant, on vivait, on faisait des soins beauté, on était à fond pour avoir la meilleure des apparences, on s'entretenait, voilà. Le Seigneur, il dit hein, que faire du sport et tout ça, ça sert pas à grand-chose. Ce qui entretient vraiment, c'est de vivre en Christ et de mettre en pratique l'Évangile. Amen. Donc je regarde toute chose comme une perte, même ma propre vie charnelle finalement, mon ancienne vie, mon ancienne nature. Donc à Timothée chapitre 6 verset 19, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Celui qui bâtit sa maison la bâtit sur Christ, et il est où Christ? Il est où le fondement? Il est au ciel. Donc quand tu travailles pour les choses d'en haut, pour le royaume des cieux, tu es en train de travailler. Tu es en train de poser brique sur brique, pierre sur pierre de ta nouvelle maison. Et quand elle sera construite totalement, tu en feras acquisition. Mais si tu bâtis sur le sable, donc sur la chair des hommes ici sur la terre, et ça c'est la parabole des deux maisons, on la verra aussi, amen. Je crois que je l'ai noté. Hein. Ça aussi on la verra en détail. Si tu continues à vivre pour ta chair, tu n'es pas en train de construire. Tu es en train de bâtir déjà sur de la ruine, parce que ton corps de poussière est poussière comme du sable, et tu es en train de construire, tu crois que tu construis en fait les choses de Dieu sur de la ruine. Ça va tomber, Babylone la Grande va tomber. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, dit le Seigneur, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc là, il parle de l'âme, il y a du sens caché. L'âme doit être vêtue du corps de Christ, qui lui porte un vêtement blanc, le vêtement de la sainteté, et qui n'a pas de la honte du péché. Amen. Donc il n'est pas nu.
et il cachera ainsi notre nudité, la honte de nos péchés. Amen. Un collyre pour oindre nos yeux, donc un collyre, l'âme va avoir un collyre pour pouvoir voir Dieu, pour pouvoir lire dans le cœur des élus, pour pouvoir reconnaître les différents esprits qu'il y a dans le monde, si c'est bien le consolateur qui me parle ou si c'est un démon. Amen. On doit devenir riche et on deviendra riche que quand on sera vraiment spirituel et qu'on aura fait acquisition de la sagesse de Christ, de l'enseignement de Christ, Parce que cet enseignement va nous conditionner parce que Christ, il veut donner le salut gratuitement, oui, mais à des gens qui sont conditionnés pour le recevoir. Le paradis ne se donne pas à des démons. Le paradis se donne à des anges. Il faut devenir un ange. Un ange vit dans la paix, dans l'amour, dans l'obéissance à Dieu, dans la charité, en communion avec les autres anges. Amen. Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3. « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation du Consolateur, le Saint-Esprit, et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc ton cœur est un trésor. Et Christ... Ton cœur est un coffre et Christ est un trésor. Ton cœur est un écrin dans lequel les richesses du royaume des cieux viennent se déposer. Amen. Tu peux avoir un trésor chez toi, mais s'il est vide, ça n'a rien. Tous les hommes ont un cœur, mais tous n'ont pas un trésor rempli du Saint-Esprit. Un cœur rempli du Saint-Esprit. Amen. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Cherchez, vous le trouverez. Et on cherche avec le cœur. On aime Dieu de tout son cœur, son âme, sa pensée, ses forces. L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La terre des vivants. Donc là, on est vivant, mais on est comme mort. Elle ne se trouve pas là, la sagesse. Le monde ne le voit plus. Donc ça sert à rien de regarder à l'extérieur, ou aux scientifiques, ou ça sert à rien. J'entendais quelqu'un dire, ce quelqu'un est connu même, c'est, comment il s'appelle déjà? Oh, Raoul, le scientifique Raoul, là. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Raoul ou Raout? Je ne sais plus. Attendez, je vais chercher parce que... Didier Raoult, oui c'est ça, c'est un microbiologiste français, donc il est connu, il a été surtout connu par rapport au vaccin, et il a fait une vidéo, et là en ce moment il cherche à faire parler lui, comme au temps du Covid, je vous assure que c'est vrai, je le vois, parce qu'il a été invité sur des plateaux, il fait des révélations... chaude là, c'est brûlant même, hein. Il risque sa vie en disant des trucs comme ça, il le sait quand même, non hein, je pense pas qu'il est bête ce monsieur. Après, c'est pas parce qu'il est scientifique qu'il a tout le savoir du monde, hein. C'est pour ça qu'on doit pas s'appuyer sur des scientifiques ou des hommes. Un homme possède une... Il connaît en partie, il connaît en partiel, il a des bouts de vérité, comme Ruth, il glane des bouts de vérité, mais il est pas assez calé, et moi-même, hein, je suis pas assez calé. Je n'ai pas la plénitude de la sagesse. Je n'ai pas la plénitude de la vérité, les amis. Je peux être répréhensible et me perdre dans du mensonge qui m'aura séduit. Donc, vous ne devez pas vous appuyer sur moi-même. Didier Raoult, merci White Pearl. Merci beaucoup. C'est ça, le Seigneur me disait Didier. Je dis, Didier, Raoul ou Raoult, déjà, je ne sais même pas. Bref, ce monsieur a fait des révélations importantes. Il est en train de dire que là, ce qui se passe en Palestine, ce n'est pas un virus naturel. C'est un virus... comme pour le Covid qui a été fait en laboratoire à Wuhan. C'est un virus qui vient des hommes. Alors là, c'est grave hein, de dire ça, parce que là, on est en train de comprendre que là... on est en train de comprendre que c'est bien un génocide en Palestine. Et comme ils ont fait des guerres et qu'ils sont quand même parvenus... ils ne sont pas parvenus à éradiquer tout le monde et ils ne sont pas parvenus à leur fin, là, ils mettent le paquet à travers un vaccin. C'était donc bien un génocide sur la France aussi, et pas que sur la France. Parce que cette histoire de Covid, elle a touché toute l'Europe.
Donc, Didier Raoult, je l'entendais parler, disait, il parlait de Christ, justement. C'est impressionnant, hein, ces gens qui se mettent soudainement à parler de Christ. Puis des gens comme ça, des grosses têtes, qui ont du savoir, mais qui n'ont pas tout le savoir. Et il disait, pour avoir lui-même appris et étudié les microbes et tout ce qu'il a étudié, tout ce qu'il connaît, ce monsieur, hein, chose même que moi je ne connais pas. Hein. Amen. Hein. Je n'ai même pas le savoir de Didier Raoult, hein, moi, dans ma tête. Hein. Voilà, hein. Moi, les microbes, je sais ce que c'est, mais après, dans le détail, comme lui, il connaît, non, ce que ce monsieur a étudié pendant longtemps. Donc, on ne peut pas le mettre totalement de côté, les amis. Mais on ne peut pas le prendre pour acquis non plus, parce qu'il a un bout du savoir. Il faut être sage. Un insensé va dire, Didier Raoult, il a tout le savoir. Non, 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 non. Un sage va te dire, non, il a une partie du savoir, je l'écoute, je ne le mets pas de côté. Mais après, basta. Celui qui a tout le savoir, c'est Christ. Et c'est Christ, mon enseignant, mon rabbi. Amen. Parce que même dans ce que Didier Raoult lui-même a appris, il y a peut-être des trucs faux. Hein. Certains microbes qu'il considère comme des virus ou des microbes de telle ou telle gamme ne le sont pas et sont totalement autre chose. Peut-être il s'est planté aussi sur certains trucs. Hein, et que lui-même a fait du acquisition de certaines vérités qu'il croit que c'est des vérités alors que c'est du mensonge. Shalom, Tony, que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Merci à tous d'être là, les amis. Il parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Il disait que comme il a étudié, il m'a fait penser à Einstein. Einstein, lui, il avait du savoir dans un autre domaine. Hein, c'était un scientifique dans d'autres domaines que le monde des microbes. D'accord? Chacun a son propre domaine au niveau des sciences. Darwin a étudié les animaux. Voilà. Chacun a leur petite part de savoir et ont étudié dans un domaine. Ils n'ont pas tout le savoir. Et on ne peut pas les prendre pour acquis. Mais moi, je ne les fous pas dehors. Mais en attendant, ma foi ne se base pas sur eux, ce qu'ils apportent. Et ce qu'apportait Didier Raoult, ça pouvait donner foi à des gens, mais pas à moi, parce que moi, je suis convaincue. La foi, c'est Jésus qui me l'a donnée. Amen. Mais j'ai quand même écouté ce que disait ce monsieur, parce qu'il fallait l'entendre. Comme Einstein, qui a expliqué... on a posé un jour la question à Einstein pour savoir si Dieu existait. Et Einstein a tout simplement expliqué, en utilisant comme une parabole, l'ombre, la nuit. Il dit, c'est pas parce qu'il y a de l'ombre ou que c'est la nuit que le jour n'existe pas. En l'absence de lumière, ce que tu appelles nuit, c'est pas la lumière. Donc, c'est pas parce que tu ne vois pas Dieu qu'il n'existe pas. Par exemple, quand il fait froid, tu peux pas dire que la chaleur n'existe pas. En l'absence de chaleur, tu dis qu'il fait froid. Toi, quand tu dis que Dieu n'existe pas dans ton esprit, c'est parce que t'es en absence de Dieu. C'est ce qu'a expliqué Einstein, hein, et c'est merveilleux. Et tu vois le cerveau du gars, hein, il est développé. Hein. En l'absence du Saint-Esprit, il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Mais s'ils avaient le Saint-Esprit, la lumière, ben ils auraient plus froid. Ils seraient plus tièdes ni froids. Ils diraient que Dieu existe. Ils feraient ce témoignage, et c'est ce que je vous disais. La différence entre nous et quelqu'un du monde, quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est le fait qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas la lumière en lui, il est tiède, il est froid. Il n'a pas la totalité, la connaissance de Christ. Amen. Donc, chacun a sa part de connaissance, et justement, Didier Raoult, pour en finir avec son histoire à lui, il disait que pour avoir étudié les microbes et tout ça, il a conscience même que même dans les... parce qu'il y a des microbes, il y a des virus, il y a des bactéries, il y a tout un monde qu'on ne voit pas, mais qu'on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Du fait qu'on ne l'a pas vu. On sait très bien que ce monde-là existe. Parce que des bactéries, vous en avez chez vous. Des virus, vous en avez déjà attrapé. Des microbes aussi, vous en avez déjà même vous-même retransmis. Mais, il est en train d'expliquer qu'il y a des bons microbes. D'ailleurs, même dans nos intestins, il y a des microbes. Il y a tout un monde. La microbiote. Et des fois, tu peux être ballonné, tu peux être constipé, tout ça, parce que tu as des problèmes au niveau de ta microbiote. Ça veut dire que tes microbes, tes bons microbes ont été pollués par des mauvais microbes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on empoisonne ta nourriture. Parce qu'on veut faire mourir ce qui est sain pour toi. Et Didier Raoult expliquait
sur une vidéo que je n'ai pas prise, parce qu'on ne peut pas prendre tout non plus, les amis, mais elle est sur TikTok. Il expliquait que il y a des microbes naturels qui sont sains pour l'homme. Et même si l'homme se leur transmet, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un, sa salive et tout le contact à sa peau et tout, te donne des microbes. Une maman qui enfante un bébé, elle va l'embrasser, elle va le tenir dans ses bras et tout, elle va lui transmettre ses microbes. Il y a des microbes sains. Et d'ailleurs, il est sain de laisser un bébé. Les enfants découvrent tout avec la bouche. Ils portent tout à la bouche parce qu'il y a des microbes sains. Leur organisme et leur défense immunitaire, dans les premières années de leur vie, vont se développer. Parce que l'enfant va tout porter à la bouche et le cerveau va apprendre, enfin le cerveau, c'est surtout le cerveau qui dirige tout, mais c'est surtout le corps, l'organisme qui gère les défenses immunitaires. Et les défenses immunitaires, comme un cerveau qui est en train d'apprendre la lecture, il doit apprendre à reconnaître les différentes lettres, comme une langue qui va goûter multiples nourritures, elle doit apprendre à différencier les différentes saveurs. Comme des mains qui touchent plusieurs textures, les défenses immunitaires doivent décoder dans les premières années de la vie, quand l'enfant va mettre à sa bouche par exemple le stylo ou j'en sais rien, le jouet et tout ça, l'organisme va apprendre à décoder les différents microbes et dire ce microbe là il est bon, celui là est pas bon, voilà. C'est incroyable tout ce qui peut se passer à l'intérieur de nous, c'est des choses même qui nous dépassent. On est incapable de se connaître entièrement, déjà par rapport à ça. Toute cette science qu'il y a à l'intérieur de nous, toutes ces défenses immunitaires qui travaillent en permanence pour protéger nos organes, pour protéger notre cerveau, pour protéger notre motricité, tout notre santé. Parce que notre santé, même si c'est tout notre corps. Et dans les premiers mois et les premières années de la vie, l'enfant, il est mieux. Il est mis au sein, normalement sur la maman, naturellement, et l'enfant va pouvoir avoir directement les codes que la maman même va lui transmettre, à travers le sein. C'est pour ça qu'un enfant qui boit au sein est plus protégé qu'un enfant qui boit au biberon. Parce qu'un enfant qui boit au biberon, il n'a pas les codes génétiques déjà de sa maman dans ses défenses immunitaires. La maman, quand elle donne le sein maternel, elle transmet des codes de défense immunitaire. Et c'est super important, l'allaitement. Même si c'est pas longtemps, c'est super important, et surtout dans les premiers instants, la maternité. Et si vous aimez vraiment votre bébé, il faut lui donner le sein. Il faut lui donner ce que vous pouvez lui donner, même si c'est pas beaucoup. Parce que c'est pas du lait que tu as tout de suite au début. C'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est super important de le donner au bébé parce que ça va le protéger dans sa santé dans les premiers mois. Alors, j'ai allaité mes enfants, mais je sais plus comment ça s'appelle. Comment s'appelle le liquide jaune qui sort d'un mamelon avant que ce soit du lait? C'est jaune, je sais plus comment ça s'appelle. Selon l'Institut national de santé publique du Québec, le colostrum. Le premier lait, le lait des premiers jours, colostrum, est épais et d'une couleur jaunâtre. Sa composition répond aux besoins du nouveau-né. Amen. Alors, ça me fait penser à Christ parce que tout rend témoignage de Christ. Hein. On va faire une pierre de coup, tant qu'on en est là. Le colostrum, c'est les premiers versets de l'évangile. C'est égal au premier verset de l'évangile. Quand vous êtes un agneau fraîchement baptisé, vous avez besoin de téter à la parole de Dieu. Non, vous ne pouvez pas comprendre tout ce langage d'un seul coup et faire des temps d'études sur des chapitres d'un seul coup, dès après votre baptême. Non, il ne faut pas rêver, ça ne vient pas comme ça. Il faut un an ou deux. Et pendant un an ou deux, tu es un petit agneau, je t'assure. Des fois, tu peux grandir vite, hein, mais ça prend... Moi, j'ai grandi vite, mais il m'a fallu 18 mois, presque 2 ans. D'accord ? Voilà. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas faire des temps d'études sur des grands chapitres. Moi, Jésus, au début, c'était des petits versets bibliques. Et déjà, ça me demandait beaucoup. Parce que je n'avais pas fait acquisition de la patience, fruit du Saint-Esprit, qui me permet d'écouter des grands chapitres et de comprendre tout ce langage extraordinaire de l'Évangile. Amen. Donc, le colostrum, c'est le premier lait. Ce n'est pas vraiment du lait, parce que c'est un liquide jaune. Mais c'est le code, toi, la maman,
quand tu étais un bébé, tu as appris, et puis ta mère, elle t'a transmis des choses. C'est le code, en fait, déjà pour aider tes défenses immunitaires. À coder, ça vient coder tes défenses immunitaires. La maman est vraiment synchronisée avec le bébé. Le rôle des parents, les deux parents sont vitaux à l'enfant. Un enfant qui est orphelin, il est malheureux. Hein. Et un enfant qui, aujourd'hui, le monde veut faire naître des enfants de femmes qui leur donneront même pas le sein. De femmes qui sont des mères porteuses. C'est terrible ce que le monde est en train de faire. Parce que toute cette vie, elle est codée. Et si on perd les codes, et c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Ève, au lieu de vous transmettre les codes de la vie éternelle avec votre père Adam, ils vous ont transmis les codes du péché. Donc le mensonge. Et c'est venu falsifier toute votre histoire, toute votre vie, toute votre existence. Vous avez souffert, vous avez pleuré, vous avez supporté. C'était dramatique. Faut que je me dépêche, me dit mon mari. Oui, je vais me dépêcher, chérie. Donc voilà, le colostrum et le lait maternel, c'est important pour un enfant. Et les premiers versets bibliques, c'est important pour une petite brebis. C'est les premiers codes. Et après, bah, tu peux lui donner le lait maternel. Et puis après, il va grandir. Il n'aura même plus besoin de lait pour attaquer des petits morceaux de jambon, de viande. Puis après, faire des grands chapitres d'études. Puis lui-même, après, être une brebis qui allaite. Une brebis qui va aller s'occuper des petites brebis mal affermies. Il va reprendre tous les codes qu'on lui a enseignés dès le départ. Puis petit à petit, il pourra redonner. Amen. Alors, on va reprendre les versets du trésor. Je les prends encore, chérie, je continue ou je commence, j'attaque l'étude là. Parce qu'il y a quand même 21 versets, alors je ne sais pas où j'en étais. Par contre, attendez. Ça, on l'a fait. Alors, on en est à celui-là. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? La demeure de l'intelligence, vous êtes le corps église. La demeure de la sagesse, l'évangile, l'intelligence de Dieu qui est sortie de Dieu pour vous rencontrer à travers le Messie. L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. L'abîme, c'est jour des morts. Et la mère dit, elle n'est point en moi. Alors, il y a lire plus. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent, à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre les précieux onyx, ni contre le saphir, qui sont des pierres précieuses, qui ont de la valeur. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre, elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin, le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. Alors je pense que c'est le Seigneur qui me donne cette pensée. Voilà pourquoi les apôtres disaient, mais si les hommes riches ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu, qui pourra? Qui pourra y rentrer? À Dieu, tout est possible. Melchizedek n'a pas que de l'onyx, de l'or ou une autre pierre. Il a tout, toutes les richesses. Et c'est toutes ces richesses qui ont été données au prix de notre âme. Amen. Des richesses spirituelles en plus, qui ne sont même pas ici de ce monde. La sagesse vaut plus que les perles, donc il vaut plus que nous, perles du royaume des cieux. La topaze d'Éthiopie n'est point sans égale et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Si tu cherches la sagesse comme l'or, si tu la poursuis comme un trésor, il faut la poursuivre la sagesse, c'est la personne de Dieu. C'est le trésor, il faut poursuivre ce trésor. Un trésor, on le cherche, si on le cherche, on le trouve, si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Il y a des gens avec des détecteurs de métaux qui cherchent des trésors, ils finissent par trouver des bagues, des choses, des beaux briquets, des choses, voilà, qui sont enterrés dans le sable, et nous c'est la même chose. Christ, il est dans ce monde. Il est en toi, si tu le cherches, tu le trouveras. Mais il est aussi dans les autres, tes frères et sœurs, parce qu'on ne fait pas dans l'individuel. Donc on doit rechercher les autres membres du corps de Christ pour pouvoir être émondé, porter encore plus de fruits, pour pouvoir passer au service de Christ et devenir de plus en plus parfait. Être heureux les miséricordieux, ils obtiendront la miséricorde. Si je reste dans l'individuel, j'obtiendrai pas miséricorde, parce que je ne vais pas travailler dans ces choses-là. C'est au service de l'Église que je dois travailler. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc c'est un grand trésor, cette sagesse, Christ. Préférez mes instructions à l'argent, dit le Seigneur, et la science à l'or la plus précieuse, car la sagesse vaut mieux que les perles et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Tu comprends le sens caché? Tu feras acquisition de ton nouveau corps là-bas si c'est par la sagesse que tu bâtis. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Les chambres, parce que c'est dans le secret qu'on va
retrouver notre Dieu. Amen. Tes jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est le trésor de Sion. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, mais celui qui coule des rayons. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Et ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Voilà, seuls ceux qui craignent Dieu peuvent nous voir, parce qu'on est cachés en Christ. Amen. C'est par fidélité que tu m'as humilié, que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur, que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. Tes compassions, donc, c'est des dons de Dieu. Car ta loi fait mes délices, qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances, qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Donc là, je vais pas tout lire parce que sinon il y a tout un chapitre entier. Hein. Là, je dirais bien que c'est le psaume 119, ça. Oui, psaume 119 du verset 72 à 127. Donc je vais certainement pas le relire entièrement, mais ça parle du trésor qu'est Dieu. Amen. On l'a fait hier, les amis. On l'a fait brièvement hier, le psaume 119. Et je dis bien brièvement parce qu'on l'a fait une fois entièrement et vous pouvez retrouver les rediffusions sur YouTube. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Les trésors de l'Égypte, donc toute la sagesse des Égyptiens. L'Égypte était connue pour avoir des grandes bibliothèques, les bibliothèques d'Alexandrie. Les hommes y accumulaient des sagesses, mais c'était des sagesses diaboliques. Même si j'accumulais la sagesse d'Einstein, de Stephen King, il y en a encore de nos jours. Bill Gates, il n'est pas trop sage, lui, il est plutôt... C'est quelqu'un qui a fabriqué des virus sur les ordinateurs, mais qui vendait après... il vendait après les antivirus. Hein. C'est quelqu'un qui fait des vaccins, puis après il va te vendre... c'est quelqu'un qui fait des microbes, des virus, puis après il va te vendre les vaccins avec. Voilà. Et il n'a pas une sagesse pour faire du bien, en fait. Il a une sagesse mauvaise, très mauvaise. Donc lui, je ne l'écouterai même pas à la rigueur. Il y a... Alors lui, je l'oublie tout le temps, c'est pas grave. Mais si je prenais par exemple la sagesse de Darwin, ou j'en ai cité tout à l'heure des sages, ils ont du savoir, Didier Raoult. Voilà. Si j'avais la sagesse, même tous leur sagesse réunie, je serais pas encore sage comme Dieu est sage. Et puis il y a des choses dans lesquelles, je vous dis, ils ont fait acquisition de certaines sagesses, de certains savoirs qui sont peut-être pas bons par rapport à Dieu, parce que seul Dieu connaît toute la vérité. Il ne faut pas oublier que chaque individu, chaque homme, aussi scientifique soit-il, est trompé par le diable, est pécheur. Amen. Donc, a cru au mensonge. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Le Tout-Puissant sera ta vérité, ton chemin et ta vie. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a, il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait là, l'a acheté. Donc ces deux paraboles-là, elles vont ensemble. Moi je les fais l'une après l'autre parce que Christ, il m'a dit de les faire l'une après l'autre. Donc je les ai comme partagées. Mais elles vont ensemble parce qu'elles veulent dire un peu la même chose. Sauf que elles ont un sens à comprendre bien individuellement chacune l'une de l'autre. Amen. Et ça, on le reverra quand le Seigneur me fera faire les enregistrements. Donc, il faut accepter la richesse du Tout-Puissant, la sagesse du Tout-Puissant, les dons du Tout-Puissant, les vertus du Tout-Puissant. Amen. Et rejeter celles du monde. Amen. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs, mes frères et sœurs. Je vous remercie d'avoir écouté... Écoutez cette parabole avec moi et d'avoir pris tout ce que le Seigneur donnait avec. Amen. On va faire rapidement le temps d'étude. Alors, je vous avais dit, le temps d'étude, il va changer un petit peu parce que, vu qu'il me fait faire les paraboles et qu'il me fait donner beaucoup de choses, voilà. D'abord, on a déjà étudié Colossiens 3. C'est ça qu'on va étudier. On l'a déjà étudié et on a déjà étudié ensemble Romains 12. Donc si c'est pour étudier comme font les païens,
Prier pour prier ou étudier pour étudier, c'est pas la peine. D'accord? On l'a fait, on l'a refait, on a eu du sens caché, on en a eu encore en plus. Mais là, on va écouter et rendons grâce déjà au Seigneur de nous unir ensemble, rendons grâce au Seigneur de nous instruire, demandons au Seigneur, puisqu'il est en nous, il est le bon trésor du Saint-Esprit, de nous rappeler, au moment où on va étudier, écouter hein, le temps d'étude, de nous rappeler ce que nous avons déjà étudié. Toute cette richesse de ressortir de ce trésor, notre cœur, tout ce qui nous a déjà enseigné, puis qui peut être enfoui. On étudiait pas pour étudier, parce qu'on connaissait déjà les choses, on avait étudié pour étudier, pour connaître les choses. Mais on étudiait encore et encore et encore jusque-là, afin de se souvenir ce que Dieu nous avait donné. Mais maintenant, le temps d'étude se change, parce qu'on a grandi après tous ces temps d'étude. Donc on peut pas toujours stagner à faire la même chose. Le temps d'étude, on va l'écouter. Amen, parce qu'on est disciples de Christ. On a eu la connaissance, on a étudié pour ça. Et Seigneur nous rappelle les choses. Voilà. C'est ainsi que ça s'est fait pour les apôtres. Amen. Parce que les apôtres ont eu le sens caché. Mais après, les apôtres, ils allaient prêcher l'évangile sans donner le sens caché. Et nous, on doit cesser de donner le sens caché, parce que des fois on a sur les lives des gens qui viennent, qui sont satanistes, qui sont en dehors de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés, hein, les amis, parce que Dieu, il a un temps pour tout. Il sauve des brebis de la première heure et de la dernière heure. Mais il y a des gens à qui on ne doit plus donner nos perles. Amen. Donc on va réécouter ce qu'on a déjà étudié et on demande au Seigneur de nous parler avec ce qu'il nous a déjà révélé, ce qui est enfoui en nous. Amen. De fouiller dans ce trésor notre cœur, ce qu'il nous a donné, si on a gardé sa parole, si on a été attentif, si on n'a pas été des serviteurs oublieux, ça se fera tout seul dans notre esprit. Amen. Louons l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Rendons grâce au Seigneur. Et merci Seigneur de nous parler encore aujourd'hui, à nous ton Église qui avons des oreilles pour entendre. Amen. On écoute Colossiens 3. Donc il va rappeler la prière, hein, les amis, parce qu'elle se trouve là, la prière, pour être dépouillée, pour être revêtue. Alors déjà, ça c'est un premier appel. Voilà, mais je vous... On écoute, et puis je vous dirai s'il y a des choses à dire, sinon non, je me tais. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lieu de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce.
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Amen. Donc pour agir injustement, il suffit d'utiliser la chair. Voilà. Alors on va écouter le deuxième chapitre de l'étude, parce que finalement, bah, ça reprend bien ce que le Seigneur nous a dit. Voilà, le bon trésor, faut faire disparaître ce qui est partiel, charnel. Amen. Parce qu'on vit avec du partiel spirituel, l'Esprit de Christ en nous, et du partiel charnel après... Et du partiel charnel avec notre chair. Voilà, excusez-moi, je dis après, parce que j'ai quelqu'un qui sonne. Donc, on va mettre Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Travailler, bah, c'est plus agréable à Dieu que d'aller voler, on est d'accord. Dieu préfère te voir travailler, donc utiliser ta chair, faire quelque chose avec ta chair, faire une œuvre avec ta chair, que d'aller voler. Mais est-ce que ton travail te permet de te garder pur? Est-ce que ton travail te permet d'avoir du temps pour te consacrer à Christ? Et ça, ben, il faut demander au Seigneur, si vous avez un doute, qu'il vous examine, si vous n'arrivez pas à examiner, parce qu'il est bon, agréable et parfait. Et c'est ça la maturité, d'être un agneau de Dieu qui tète du lait à la parole, plutôt qu'une brebis de Dieu. Une brebis de Dieu, un ancien dans l'église, il doit être capable d'examiner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc des fois, t'as fait ton baptême, oui, t'as de la connaissance de l'évangile, oui, mais t'as pas la connaissance spirituelle et t'arrives pas à te débrouiller seul. T'arrives pas à te débrouiller seul. De toute façon, personne ne peut se débrouiller seul. On est toujours aidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Mais à un moment, tu attrapes une maturité. C'est comme avec l'armure du bon combat de la foi, la parure intérieure cachée. Ça fait partie de toi après. Donc, tu seras examiné, ça sera automatique, parce que de plus en plus, tu vas grandir en Christ. Amen. De plus en plus, tu arriveras à te débrouiller jusqu'au jour où Christ vient te chercher, parce que bah, ça y est... T'es un ange de Dieu et puis tu peux aller le servir dans des choses encore plus grandes au ciel. Amen. Donc on va écouter Romains 12. Il faut être patient envers Christ qui travaille et envers vous-même. Il faut vous laisser le temps de grandir. Parce que des fois on veut tout d'un coup. On est charnel, on se dit dans l'eau du baptême, ça y est. J'ai fait acquisition du Saint-Esprit, j'ai la vie éternelle, donc toute ma vie elle va changer sans que je fasse le moindre effort, parce que Christ il fait des miracles. Et voilà, c'est ce que se disent hein, les gens flemmards, les païens. Non. Les saints, les sages se disent que la nouvelle Jérusalem c'est pas construite du jour au lendemain. Christ, il a mis 3 jours à relever le temple de Dieu dans le tombeau, le temple de son corps. Donc nous-mêmes, on doit persévérer dans la persévérance des saints. Tout n'est pas gagné comme ça, aussi facilement. Voilà. Romains 12. Pareil, on l'écoute. Et si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous demandez à Christ. Ça vous donne l'occasion de lui parler. Amen. Et s'il y a des choses que je vois, je mets stop et puis je le dis. Parce qu'on a déjà étudié ça, hein. On a déjà étudié ça verset par verset. Et on ne va pas faire ça tout le temps. Il faut passer à autre chose à un moment. Donc normalement, vous avez fait acquisition de verset par verset ce qui a été dit. Si vous n'avez pas été des serviteurs oublieux, c'est dans votre cœur.
Et le Seigneur Jésus vous parle en fonction de ce qui a été déposé dans votre cœur le jour où il a déposé des choses. Amen. Romains 12, c'est une exhortation du Seigneur à nous consacrer à Dieu. Amen. Donc je dois être consacré à Dieu, je ne dois pas être consacré à mon mari, je ne dois pas être consacré à mon travail, je ne dois pas être consacré à mes passions. Amen. Celui qui sème de la chair moissonnera de la chair. Vous devez travailler pour les choses d'en haut, travailler pour l'esprit, semer des choses de l'esprit. Amen. La conduite de Christ, les paroles de Christ, les œuvres de Christ. Exhortation donc de Dieu à nous consacrer à Dieu dans l'humilité. Alors ça c'est important, on en a bien parlé tout à l'heure, hein, mais on va pas revenir dessus. Et la fidélité dans l'exercice des dons et fonctions. L'humilité c'est le Père. C'est le Père qui reste caché dans le Fils. Mais le Fils, c'est le Père, dans l'humilité. Amen. Et la fidélité, bah c'est Dieu fidèle à Dieu, donc le Fils, Jésus-Christ, la parole fidèle et véritable. Amen. Donc pour être Christ, le corps Église, le temple de Dieu qui a été relevé par Christ, il faut avoir de l'humilité, de la fidélité dans l'exercice des dons et fonctions que donne Christ. On est en exercice. On est des enfants sous l'ordre d'un maître, et le maître, c'est Jésus qui nous donne enseignement. Donc on fait des exercices en attendant que le partiel spirituel que nous avons amassé puisse, à l'avènement de Christ, nous permettre d'avoir la totalité de la récompense, être parfait, et que le partiel charnel que nous avons puisse disparaître aussi. Amen. Shalom Isabelle, que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Allez, on écoute Romains 12, louons l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Nous te rendons grâce, Père. Père, parle à nos esprits, enseigne-nous et rappelle-nous ce que tu as semé dans nos cœurs, afin qu'on ne soit pas des serviteurs oublieux et qu'on puisse travailler selon ton esprit, selon ce que tu attends de nous, Jésus-Christ, selon ce que tu attends de ton propre corps, de tes mains, des membres de ton corps, de tes mains, de tes pieds, des membres de ton corps. Amen. L'Église. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Il y a plusieurs membres dans le corps Église de Christ. Il y a des anciens, il y a des pasteurs, il y a des prêtres, des évêques. Normalement, hein, c'est ce qu'il doit y avoir. Et il y a des fils et des filles de Dieu qui travaillent au service de cette Église. Et il y a des anciennes aussi, des anciennes qui peuvent travailler au service de l'Église. Tous n'avancent pas et n'apprennent pas au même rythme. Tous doivent recevoir les mêmes dons, la même récompense. Mais tous ont reçu plus ou moins, selon ce qu'ils ont avancé, des dons. Donc évidemment, un frère qui vient d'être baptisé, même si c'est un ancien, ne peut pas aller imposer ses mains, ne peut pas enseigner quiconque, parce qu'il n'a pas les dons, par exemple, d'une sœur qui est plus ancienne dans l'Église et puis qui a reçu plus de dons, parce qu'elle est au service de Dieu depuis plus longtemps. Voilà. C'est pour ça qu'on ne doit pas marcher selon la chair et dire « Toi, t'es une femme, tu te tais. Toi, t'es un homme, mets-toi là-bas. Toi, t'es un riche, donc tu peux t'asseoir là. Toi, t'es un pauvre, mets-toi à mes pieds. » On ne peut pas juger d'après la chair. On ne connaît plus personne selon la chair. Et même Christ, si on l'a connu comme ça, on ne le connaît plus comme ça. Et on doit se conduire comme des sages. Donc un sage, il doit considérer que tous les élus sont des membres du corps de Christ. Mais tous les élus n'ont pas les mêmes dons. Tous les élus ne font pas le même service dans l'Église, parce que les élus, il y en a qui sont fraîchement baptisés, d'autres pas. Et c'est pas parce que tu es fraîchement baptisé même que tu auras forcément moins de dons que quelqu'un d'autre. Tu peux grandir plus vite que quelqu'un, ça fait 10 ans qu'il est baptisé, mais il a stagné dans les religions, les sectes, et il n'a rien appris.
Tu peux être une brebis fraîchement baptisée et grandir très 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 vite. Notamment, moi, c'est ce qui s'est passé avec la brebis Laurine, la brebis frère Robert, la brebis Philippe, amen, la brebis White Pearl. Vous êtes des brebis qui avaient grandi, et je dis pas ça pour me vanter parce que c'est pas moi qui fais les lives, c'est le Seigneur, amen. C'est le Seigneur qui fait grandir, qui veut faire grandir, hein, et qui donne les dons. Hein. Derrière, j'ai rien déclenché de tout ça. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et des fois, ce qu'on entend, comme ça, stimuler notre foi, nous donne envie d'avoir du zèle et de se mettre encore plus au service de Christ, de travailler. Et le Seigneur, quand il voit que vous avez du zèle et que vous n'êtes pas des serviteurs oublieux, et ben derrière, il déclenche des dons, il donne des choses. Amen. Donc, des fois, vous n'avez même pas conscience que vous avez des dons et que vous avez des choses. Vous n'avez même pas conscience. Vous vous considérez toujours comme des petites brebis fraîchement baptisées, tout ça, alors que des fois, il y a longtemps que vous êtes prêts pour aller enseigner vous aussi de votre côté. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu ma sœur Laurine, Dieu l'a mis au service de son église, amen. Elle reprend ce qu'elle a entendu sur les lives, elle reprend des choses, elle fait des petites vidéos, et je vois que bah, elle a grandi très vite. De toute façon, j'avais dit qu'elle avait grandi vite, amen. Et voilà, le Seigneur l'a mis à son service, à travailler. Elle reprend ce qu'elle a entendu, elle fait sa petite vidéo, et elle le réexplique de façon... comment elle l'a compris. Et moi, derrière, j'écoute parfois ces vidéos. Alors, je ne les écoute pas toutes, je n'ai pas forcément le temps, mais j'écoute. Et je comprends qu'elle a bien compris. Et je suis contente, parce que du coup, ce qu'elle partage, bah, c'est bon. C'est génial. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous devons avoir de la sagesse pour considérer les membres du corps de Christ, l'Église, comme étant les membres de son corps, tous à son service. Mais si cette personne... bah, fait des prières dans l'église, ou celle-là elle chante, ou celle-là elle prophétise, ou celle-là elle enseigne, je ne dois pas m'opposer à aucun des frères et sœurs. L'amour croit tout, excuse tout, pardonne tout. Amen. On doit vivre en paix les uns et les autres, parce que chacun fait sa petite part dans l'église. On n'est pas une secte. Dans une secte, on va te dire, les femmes, toutes les femmes se taisent. Elles restent assises, elles écoutent. Mais quasiment tous les hommes aussi se taisent, il n'y a que le pasteur qui parle. Ou le prêtre, ou j'en sais rien. On n'est pas une secte, les amis. Chacun doit travailler avec les dons déjà qu'il a reçus. Mais il faut bien te dire et avoir cette humilité que même si ça fait longtemps que tu es dans l'église et même si tu as plus de dons que quelqu'un d'autre, c'est qu'une question de temps pour que les autres soient au même niveau que toi. Donc n'humilie personne, ne méprise personne. Amen. Cherche à les édifier au contraire. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Quand tu uses de prévenance réciproque, c'est que tu n'utilises pas le libre arbitre de la personne, mais par honneur, pour Christ et pas pour les hommes, tu vas chercher à l'édifier. Tu vas chercher à ne pas être hypocrite. Parce que ce que Christ il nous appelle à faire, surtout maintenant... c'est pas des dons charnels. La charité, on connaît plus personne selon la chair. Donc ma charité, elle doit pas être charnelle. Elle peut encore l'être, parce que quand je vois un membre du corps de mon Seigneur, quand je vois mon Seigneur nu, ou qui a faim, ou en prison, je le visite. La religion d'un homme, la vraie religion, c'est de visiter les veuves et les orphelins. Pour ceux qui veulent être religieux. Amen. C'est écrit dans la Bible. Amen. Je vais vous prendre ce verset-là. La religion sans tâche devant Dieu, c'est de visiter les veuves et les orphelins. Verset biblique. Selon Bible.com, la religion pure et sans tâche, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jacques chapitre 1, verset 27. Donc, ceux qui veulent être religieux, si vous voulez une religion, la voilà votre religion. Visiter des veuves et des orphelins. On connaît plus personne selon la chair, donc là aussi il y a du sens caché. Une veuve ou un orphelin, c'est quelqu'un qui s'est égaré loin de Christ. C'est quelqu'un, ou alors qui ne connaît pas Christ. C'est quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, mais qui est sans l'époux. C'est une vierge folle.
Voilà. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas Christ pour père. Donc, le Seigneur, il nous dit, on ne connaît plus personne selon la chair. Donc, évidemment, et même Christ, on ne le connaît plus comme ça, parce qu'il est le consolateur, il est notre Père qui est dans les cieux. Amen. Notre charité doit prendre une nouvelle tournure. Les choses anciennes doivent disparaître. Mais, pour l'instant, les choses sont partielles. Donc, ma charité charnelle, elle peut encore demeurer. Il est bon même qu'elle demeure. Si vous pouvez faire des dons charnels, ne vous en privez pas. Amen. Mais il est préférable de donner des dons spirituels. Et les dons spirituels, bah, c'est d'offrir de la connaissance aux disciples de Jésus. Moi, c'est pas des dons charnels que je fais tous les jours. C'est mon travail en Christ. Le Seigneur m'a demandé de faire mon temps d'étude. C'est des dons qui viennent de Dieu. En fait, c'est lui qui le fait pour moi. Amen. Chaque jour, je fais mon temps d'étude selon mon Dieu. Donc, je reçois gratuitement. Mais dessus, Dieu, il prend une part qui laisse tomber dans les oreilles de ses élus qui entendent. Amen. C'est lui qui fait un don pour nous deux, selon l'Esprit, un don de connaissance pour édifier. Amen. Voilà. Et je suis très contente qu'il le fasse. Gloire à lui. Amen. Alors, on continue, les amis. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Alors, les choses anciennes ont disparu. L'évangile prend un autre sens. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Est-ce que je dois lui donner les paroles de Dieu? Je dois lui donner, oui, les paroles de Dieu. Prêche en toute occasion favorable ou non. D'ailleurs, il faut sortir l'épée de la parole de Dieu, citer les Écritures devant ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent, ce qu'on doit savoir répondre à chacun. Par contre, si mon ennemi a faim et soif des profondeurs des Écritures, des choses cachées, je ne dois pas lui donner, parce qu'il est mon ennemi. Il est un chien, il est un porc, il est un scorpion, un serpent. Amen. Je ne dois pas lui donner. Donc, vous voyez que les Écritures, il faut vraiment les sonder avec Christ, parce que les Écritures prennent des tournures que dans la chair vous n'imaginiez pas, quoi. Quand vous lisez quelque chose, vous avez l'impression de l'avoir compris. Et la Bible, vous ne l'avez pas compris. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas la comprendre. C'est un peu comme une recette de mercotte dans les meilleurs pâtissiers. Si tu n'as pas la mercotte qui te donne toute la recette, bah, tu vas te planter. Tu vas te planter, puis le résultat que tu auras à la fin, tu seras déçu. Tu vas vouloir mettre en pratique, comme ils font avec la mercotte dans les meilleurs pâtissiers. Ils lisent la recette, mais il manque des phrases parce qu'elle leur a enlevé des phrases. Tu vois? Ils lisent la recette, ils ont du zèle, ils mettent en pratique. Puis à la fin, bah, ils sont un petit peu déçus du résultat parce que du coup, il y a des trucs qu'ils n'ont pas compris. Et quand ça, ils n'ont pas compris, mais qu'ils sont passés à la pratique, on ne peut plus refaire. Le Seigneur nous demande de pratiquer les Écritures, mais selon ce que lui nous demande de faire. Et c'est là le challenge des élus. C'est de ne pas faire comme les meilleurs pâtissiers. Lire la recette, lire l'évangile, ne pas en comprendre des bouts, ou parce qu'il en manque des bouts que vous n'avez pas saisi, puis faire quand même. Ça, c'est les folles qui le font, c'est les païens. Vous n'êtes plus des païens, les amis. Amen. Vous êtes des élus de Dieu. Le Seigneur nous exhorte à travers ses applications diverses à la charité. Ce qu'il vous a annoncé là, quand il dit... bénissez ceux qui vous persécutent, réjouissez-vous avec ceux qui pleurent. C'est une façon de donner de la charité. Voyez, c'est une façon nouvelle. Là, tu n'ouvres pas ton porte-monnaie. Mais c'est la charité que tu dois expérimenter avec Christ. Bénir ceux qui te persécutent, te réjouir avec ceux qui pleurent, avoir les mêmes sentiments vers les autres. Amen. Ne pas aspirer à ce qui est élevé, mais rester humble. Ne pas te considérer sage à tes propres yeux.
ne pas rendre le mal pour le mal, rechercher ce qui est bien devant tous les hommes, pourvoir aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Donc il y a toujours la charité charnelle, pourvoir aux besoins des saints, mais il y a une charité spirituelle dans laquelle on doit entrer. Amen. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc la paix, c'est pareil. Tu peux donner la paix ou non. Tu peux créer des disputes, donc avoir les vertus du démon. Les querelles, les disputes viennent du diable. C'est pas une vertu du Saint-Esprit. Ou alors tu peux donner la paix, parce que ça dépend aussi de toi, si tu veux être en paix avec les hommes ou pas. Et tout ça, c'est de la charité spirituelle, les amis. Amen. Donc vous devez garder une charité charnelle, mais être sage même dans la charité charnelle, et expérimenter une charité spirituelle, parce que c'est les meilleurs dons que vous ferez aux hommes. Donner la paix à quelqu'un, ça vaut mieux que 50 balles, hein. Édifier quelqu'un en esprit à travers les paroles de Christ, ça vaut mieux que si je l'héberge un mois chez moi et qu'il mange gratos chez moi. Donner la nourriture de Dieu pour son âme, c'est le salut hein, derrière. C'est préférable que si j'essayais de le protéger du diable, en lui imposant mes mains et en disant « je chasse au nom de Jésus le diable qui te persécute ». Non. Tout mal concourt au bien des justes, soyez sages les amis. Laissez véritablement les jours défiler comme ils doivent défiler, dans le chagrin ou dans les bons jours. Il y en a qui pleureront avec vous, parce qu'il y en a, c'est vos frères, et il y en a d'autres qui prieront pour vous, mais il y en a d'autres qui vont dire « il n'est pas de Dieu ». S'il était de Dieu, il ne souffrirait pas. Descends de la croix, toi, si t'es de Dieu. T'en as sauvé d'autres, pourquoi tu ne sauves pas toi-même ? Et ça, c'est des religieux, soi-disant, qui disaient ça. Hein. Et ces mêmes religieux, pharisiens, on les retrouve dans le monde. Hein. On les retrouve dans le monde. Ils avaient l'esprit du monde et on retrouve le concept de l'esprit du monde. Ces gens qui nous disent, si t'étais vraiment la femme du Seigneur, si t'étais vraiment servante de Dieu, si t'étais vraiment l'Église, tu tomberais jamais malade. Tu serais pas malade comme ça pendant des mois. Le Seigneur, il aurait envoyé quelqu'un t'imposer les mains. T'aurais été guéri par un miracle. Parce qu'ils s'imaginent que Dieu... Voilà, c'est les païens. Les païens ne font pas d'efforts. Dieu doit tout faire par des miracles, tout le temps. Ou par imposition des mains. Et des fois, ils n'ont même pas besoin de Dieu, parce que c'est eux qui imposent les mains, puis au nom de Jésus, je chasse l'esprit de maladie qui est en toi. Tu les entends parler, les païens. Tu les entends, la bouche parle de l'abondance du cœur. L'esprit du monde est dans leur cœur, pas l'esprit de Christ. Quand l'esprit de Christ est dans ton cœur, ben mon frère, ma soeur, je vais pleurer avec toi. Et tu vas dire, oh là là, à quoi ça me sert qu'elle pleure avec moi, celle-là? Ben, je suis désolée, je t'offre de la charité. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Je suis en train de travailler pour le Seigneur encore. Je ne travaille pas pour les hommes. Je ne travaille pas pour te plaire à toi. Toi, tu aimerais que je vienne, que je t'impose mes mains. Tu aimerais que je vienne et que je prie pour toi. Mais ce n'est pas ce que j'ai le temps de faire ou ce que je peux faire tout le temps. Je peux juste des fois pleurer avec toi. Et c'est déjà là que je t'ai montré ma charité. Vous voyez, et il faut vous conduire comme des sages en examinant ce que les autres ont fait pour vous. Est-ce que ce qu'ils ont fait pour vous, ça vient bien de Dieu? Si j'ai pleuré pour toi, est-ce que ça vient bien de Dieu? Tu vois? Toi, tu vas dire non, ça vient pas de Dieu. Bah, tu connais mal la Bible. Tu connais mal la Bible. Un frère, une sœur n'a pas tout le temps de prier pour toi. On n'a pas tout le temps. On doit le faire. À chaque veillée, on doit prier pour toute l'Église en général. Mais des fois, on prie pour un membre du corps de Christ en particulier. Et là, c'est un gros effort. C'est une grande preuve d'amour. Amen. Prier pour quelqu'un en particulier. Prier pour les malades, prier. On doit prier. Amen. Mais on n'a pas tout le temps le temps de le faire. Et des fois, d'avoir compassion de toi, de pleurer avec toi, c'est une façon de te montrer que je t'aime. Et c'est une façon de servir Christ, une façon de semer de la miséricorde dans ta vie. Une petite façon peut-être, mais il ne faut jamais sous-estimer les petites choses dans le royaume des cieux. Parce que les petites choses sont souvent les plus grandes. Amen. Ne vous vengez point vous-même. Ça aussi, c'est de la charité. Amen. Et la charité la plus grande de toutes les choses. Donc là, vous avez voilà des applications diverses de la charité. Donc là, il faut vraiment prendre note de ça, les amis. Romains chapitre 12, du verset 9 à 21. Et ça, faut, je sais pas, vous le photocopiez, vous l'écrivez dans un cahier, vous le mettez sur le mur, dans votre chambre, mais vous le lisez de temps en temps. Parce que la charité la plus grande de toutes les choses, et c'est de la charité spirituelle, et il y a un bout de charité charnelle, c'est le verset 13, « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Donc, ça, c'est une sorte de charité charnelle. Mais tout le reste, c'est une charité spirituelle.
Et c'est surtout ce qu'il me faut mettre en pratique, parce que c'est la plus grande de toutes les choses. C'est ce que Dieu veut me voir offrir aux élus. Amen. Alors, on va finir d'écouter parce que c'est pas moi qui... Ah bah, il a fini en plus. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà, la charité, l'amour du plus grand nombre, la charité se refroidira. Ils sont tièdes et froids, ils seront vomis de la bouche du Seigneur. Nous, on doit rester bouillants. On est des lumières. Une lumière qui n'a pas de chaleur, mais qui a juste l'éclairage, est une fausse lumière. C'est un Satan. C'est une imitation. Une lumière, elle chauffe, elle dégage une certaine chaleur. Toi, t'es bouillant. T'es pas froid, t'es pas tiède. T'es brûlant. T'es plein de zèle pour le Seigneur. Et tu dois pas te laisser éteindre. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal qui va essayer, lui, de te faire oublier la charité. Et de te rendre tiède et froid, donc d'être individuel, quelqu'un qui n'est plus dans l'amour, quelqu'un qui cherche à connaître Christ, aux paroles, aux choses, puis qui, derrière qui oublie de mettre en pratique, et qui oublie de mettre surtout en pratique que t'es un membre du corps de Christ et tu dois être au service de l'Église de Christ. Les autres membres du corps de Christ, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui a froid, qui a faim, qui est nu. C'est le Seigneur qui n'est pas édifié, qui a besoin d'être édifié. Le Seigneur fraîchement, le petit agneau de Dieu. Et toi, tu dois couvrir ton prochain, tu dois prendre soin de l'autre. Amen. C'est la charité, mes amis. Véritablement, notez ce sur quoi le Seigneur est en train de vous édifier aujourd'hui. La charité, c'est la plus grande de toutes les choses. C'est ce qui vous rend à l'image du Seigneur. On fera la parabole du miroir quand le Seigneur me le fera faire. Amen. La charité est la plus grande de toutes les choses. Verset biblique. Selon Bible.com, maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La foi, c'est la personne de Dieu. La personne de Dieu demeure éternellement. L'espérance du salut qu'il nous a donné demeure aussi. Mais ça peut s'arrêter au moment où il arrive. Parce que même si tu as persévéré dans la persévérance des saints, que le Seigneur ne veut pas te confier des choses plus grandes, parce que je sais pas, il y a des trucs que tu n'as pas fait correctement, ou j'en sais rien, c'est lui qui juge, elle peut s'arrêter. Mais l'espérance demeure d'être sauvé, au moins jusqu'à la fin du monde. Donc elle demeure. Et la charité, c'est une chose qui demeure et qui demeure éternellement. Amen. Parce que ça vient de Dieu. Alors là, j'ai mon mari qui me dit, tu te souviens de ce que je t'ai dit de leur dire hier? Oui, chérie, maintenant que tu le dis, je m'en souviens. Mais je m'en étais pas souvenu au début. Et je te rends grâce d'être ma mémoire, de me faire m'en souvenir. Amen. On est vraiment des membres du corps. Puis des fois, on a tendance à oublier des choses. Pas parce qu'on est des serviteurs oubliés, mais parce que le Seigneur nous donne beaucoup de choses. Le Seigneur Jésus, hier, justement... par rapport à la charité, par rapport à ce qu'il me disait d'enregistrer ce matin, par rapport à la parabole du trésor. Le trésor qui est sorti du royaume des cieux, c'est le Fils de Dieu. Il a emmené avec lui le Père. Il a emmené ce qu'il y avait dans le Père. Il a laissé le royaume des cieux, toute la structure, mais il a emmené ce qu'il y avait dans le Père. Il a emmené la parole, il a emmené la vérité, il a emmené la charité, donc la miséricorde. Et il a emmené l'obéissance, puis des vertus, puis voilà, tous les dons. Amen. Et il a emmené la charité. La charité, c'est la personne du Père. Quand tu mets en pratique la charité sur laquelle il nous a exhortés, tu fais la plus grande de toutes les choses. Donc tu travailles vraiment pour le royaume des cieux. Et du coup, si tu as la charité, si tu arrives à manifester cette charité, c'est vraiment que tu es restauré dans ton âme à l'image de Dieu. Je vais reprendre le verset complet parce que le verset là, c'est une prière aussi. Donc il nous rappelle la prière. Par contre, j'ai pas pris mon livre de prière. Il me l'avait dit. Prends le livre de prière aussi. Puis j'ai dit, oh non, je prends que celui-là, je vais noter. Je vais le chercher. Pendant ce temps, je vous mets une musique. Il faut que j'ouvre à mon chat aussi. Excusez-moi les amis, je vous mets une musique, je vais chercher mon livre de prière et je vous dis ce que j'ai à vous dire. Ouvre à princesse Bianca, c'est toi. Et quand il juge de tout et même s'il devient méchant,
je vais chercher le livre en courant, puis je fais une petite danse dans le couloir, elle me dit, tu sais qu'ils t'attendent là quand même. Oui, je sais qu'ils m'attendent, mais la musique, elle est magnifique, elle est magnifique. Alors, j'ai mon livre de prière, voilà. Il y a la prière pour être parfait comme Dieu est parfait. Amen. Donc, il nous rappelle véritablement les prières. Prière pour être parfait comme Dieu est parfait. Donc, vous la retrouvez dans 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 4 à 10. Vous louez l'Éternel et puis vous faites la prière en vous inspirant des versets. Donc, la charité, c'est la personne de Dieu. Et la personne de Dieu est patiente, pleine de bonté. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il est fidèle et bon pour pardonner nos péchés, même quand on est infidèle, il reste fidèle. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. La charité ne périt jamais, il est immortel. Les prophéties prendront fin, les amis. Même si on prophétise avec l'Esprit qui est sur nous, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Parce qu'il y en a qui perdront le Saint-Esprit. On en a déjà parlé du Saint-Esprit qui peut se perdre. Amen. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand celui qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Celui qui est parfait nous rendra totalement parfait parce qu'il donnera à celui qui a, donc la récompense se donne bien, en deux temps, amen, il confirme bien ça aujourd'hui, amen. Et même si nous avons le Saint-Esprit, parce que pour avoir le bon dépôt, il faut déjà avoir le Saint-Esprit, je mettrai de mon esprit sur toute chair, dit le Seigneur, il mettra de son esprit, mais pas la totalité de son esprit, c'est ce qu'il dit, il faut bien écouter les paroles qu'il dit. Parce que des fois, on entend le Seigneur met de son esprit sur toute chair. Ben, ça y est, voilà. Les gens avec les sectes, ils vont dire, ben voilà, c'est ça. Le Seigneur confirme que dans le baptême d'eau, on a le baptême du Saint-Esprit sur notre chair. Le Seigneur a mis son esprit sur notre chair. Ben non. Je mettrai de mon esprit. Ça ne veut pas dire la totalité. Si je te dis, je te mettrai dans un vase des fleurs, ça ne veut pas dire que je vais te donner tout mon jardin. Arrête de rêver, mec. Brebis, arrête de rêver. Voilà, donc je vous rappelle cette prière-là parce qu'il vous la rappelle. Donc la charité, les amis, elle est super importante. Parce que là, dans le chapitre 13, à partir du verset 11, 12, 13, tu as la parabole du miroir qu'on étudiera ensemble et on en reparlera. La parabole du miroir, c'est pour que tu te regardes, tu t'examines. Donc faut arriver à pouvoir, faut grandir à un point spirituel où tu vas t'examiner. Où tu vas t'examiner à cause que le Saint-Esprit est en toi. Puis le Saint-Esprit va te dire, il va te dire, oula, il y a encore des paroles impudiques qu'il faut enlever, ou bah, tu pries pas assez, il te dira où il faut faire telle ou telle chose, et puis il te donnera tes missions pour travailler pour lui. La parabole du miroir, on la reverra, mais c'est pour que vous compreniez surtout que la charité, c'est elle qui vous restaure complètement en l'image de Dieu. Quand tu es restauré complètement en l'image de Dieu, bah, tu es l'Église sainte, irrépréhensible, irréprochable, zélée, bouillante. Voilà. Amen. La charité, c'est la plus grande de toutes les œuvres. Donc, un disciple de Jésus, la charité, c'est l'amour. Dieu est amour. Donc, si tu as la charité, tu es restauré en la même image que Dieu, qui est amour. L'image de Dieu qui est parfaite, c'est le Christ. Donc, tu es véritablement corps de Christ. Tu es véritablement son disciple. Et on te reconnaît à la charité, à l'amour. Amen. Donc, mon mari voulait que je vous dise que quand il est sorti du Père, ben il a emmené avec lui la charité, il a emmené le meilleur du royaume des cieux. Il a laissé le royaume des cieux, mais un royaume des cieux vide. Il a emmené avec lui le trésor du royaume des cieux, en plus pour vous le donner, pour partager ce royaume des cieux dans vos cœurs. Amen. La charité, l'obéissance, la vérité, la sagesse, la bénédiction, il a emmené avec lui vraiment le Père, le Fils est venu faire connaître le Père, amen. Donc qui il est quand il est dans la gloire, et pour monter dans sa gloire, pour qu'il vienne nous chercher, bah, il faut qu'on soit restauré en la même image que lui, voilà. Donc n'oubliez pas d'exercer la charité, mais comme des sages, pas comme des insensés. Vous avez un regard sur les dons que vous faites charnellement, mais vous devez vraiment
vous dire que la charité, elle doit être spirituelle. On ne connaît plus personne selon la chair, donc on n'a pas à faire des dons charnels. On peut en faire, parce qu'on a un droit de regard sur ce qu'on veut faire. C'est bien même d'en faire, mais il est préférable quand même de semer des dons spirituels. Donc d'édifier les autres, de prier pour eux, de les visiter, de pleurer avec eux, de bénir même ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent et tout ça. Ben voilà ce qu'il vous a dit tout à l'heure, dans ce qu'il vous a exhorté, voilà, aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live. Je loue l'Éternel, je rends grâce à l'Éternel des armées, à Jésus-Christ notre Roi, sans qui ce live serait impossible. Je vais récupérer la rediffusion pour ceux qui sont membres du corps de l'Église, qui sont les élus et qui n'ont pas pu venir sur le live parce que ils travaillent ou parce qu'ils ont des, ils peuvent pas forcément être tous les jours sur le live et je leur en veux pas. Chacun fait ce qu'il peut et ce qui est important de faire en Christ, c'est pas de forcément de se fidéliser aux frères et sœurs. Hein. Moi, il y a des frères et sœurs, des fois, je leur réponds pas pendant plusieurs mois même. C'est pas que je leur en veux pas ou que, mais c'est que je travaille pour Christ, j'ai pas forcément le temps. Faut le savoir, et je préfère donner la priorité aux petits frères et sœurs en Christ qui ont des questions, qui ont besoin d'être édifiés et avancés. Si c'est juste pour venir te saluer, te dire bonjour, ça sert pas à grand chose. On peut se saluer, on connaît plus personne selon la chair, donc on peut se saluer une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois. Ce qui est important, c'est qu'on continue à avoir une relation d'amitié et à rester unis. Amen. À pas se bouder, à pas se faire la tête. Moi, je vous ai dit, je vous réponds quand je peux vous répondre, je finis toujours par répondre. Mais c'est sûr que ça sera dans un délai que je ne peux même pas m'engager pour vous dire quand est-ce que je peux vous répondre. Il y a des frères et sœurs qui m'ont dit, Avril, tu devrais nous dire quand même quand tu fais pas de live. Tu devrais nous dire quand même quand tu peux pas faire un live. C'est vrai, mais j'ai pas forcément toujours le temps de faire ça, les amis. Il faut le comprendre. Et je peux pas me répéter non plus avec tout le monde. Voilà. Donc, je vous dis comment je fonctionne, et ça, je le dis à tout le monde. Vous pouvez m'écrire. Si vous avez des questions par rapport au live, vous pouvez les poser directement au Seigneur. Si vous voulez vraiment me les poser à moi, parce que vous avez peur de ne pas avoir une réponse du Seigneur, attention, celui qui doute, Dieu finit toujours par répondre aussi. Hein. Mais tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et des fois, tu te rends pas compte qu'il a répondu. Mais si tu préfères quand même me poser une question à moi, parce qu'après tout, tu considères que c'était aussi mon live, et je dois moi aussi vous répondre, hein. Amen, si vous avez des questions par rapport au live, je dois répondre par rapport à ce qui a été semé, tout ça, ce qui a été dit. Donc, si tu veux vraiment poser la question à moi, je t'ai dit, viens sur un prochain live, note ta question. Voilà, on ne doit pas répondre à la minute, d'accord? Faut être patient envers les autres, faut user du fruit du Saint-Esprit. Donc, si je te réponds dans 3 jours ou dans 1 mois, ne m'en veux pas, mais au moins, ce qui est important, c'est que je t'ai répondu. Voilà. Je peux peut-être pas te répondre sur ce live directement parce que je regarde pas toujours les commentaires. Et ce qui est important, c'est vraiment de faire passer le message de Dieu pour que toute l'Église soit édifiée. Parce que normalement, toute l'Église est édifiée avec les vrais messages de Dieu. Amen. À part ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint de Dieu, ils peuvent pas être édifiés parce que ils rejettent automatiquement. Voilà. Mais il est important de faire passer un message clair à l'Église plutôt que de le couper en lisant les commentaires et tout ça. Parce que là-dessus, c'est pareil, j'ai des frères et sœurs qui se sont plaints, qui m'ont dit « Sœur Avril, moi je préfère quand tu ne lis pas les commentaires personnellement parce que sinon je perds le fil de ce que tu disais. » Voilà, c'est embêtant. Donc, faut vraiment qu'on s'organise. L'Église de Christ, elle est organisée. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire en privé. Si je suis pas abonné à vous, vous pourrez pas m'écrire. Donc, dites-moi dans un prochain live, Avril, abonne-toi à moi que je puisse t'écrire. Voilà. Et sinon, vous demandez au Seigneur. Vous demandez directement au Seigneur et le Seigneur vous répondra. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Shalom, bonne nouvelle, 777. Alors, j'ai une pensée par rapport à toi directement. Je crois que tu as changé de pseudo et que tu es la personne qui se prenait pour le Seigneur Jésus. Je crois, parce que c'est une pensée qui m'est venue directement du Saint-Esprit. Alors, si c'est vraiment toi, c'est pas la peine de revenir sur les lives, même en ayant changé ton pseudo. Nous, des gens qui prétendent être le Messie, on vous dira, il est ici, il est là, on les croit pas. Voilà. Après, ça ne peut ne pas être toi et je t'en fais mes excuses si ce n'est pas toi. Mais généralement, le Saint-Esprit en moi ne se trompe pas. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live. Je rends gloire à l'Éternel. Vous le retrouvez en rediffusion. Je ne veux pas blasphémer. Mais tu le fais. Tu blasphèmes quand tu te prends pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas l'Église à vous tout seul. Jésus est le temple du Saint-Esprit, l'Église, à lui tout seul. Et on est
intégré à son corps, on est membre de son corps. On ne peut pas faire dans l'individualisme. Il y a des gens qui me disent souvent, tu n'es pas la femme de Dieu, tu n'es pas l'épouse. Parce que l'épouse, c'est l'Église. Et c'est tous les élus ensemble. Ils ont raison. C'est tous les élus ensemble qui sont l'épouse. Mais d'un autre côté, ils ne vivent pas avec moi pour savoir si je suis la femme de Dieu ou non. D'accord ? Et il y en a qui disent, la femme de Dieu, ben, c'est moi, parce que c'est moi l'Église. Non. Non, non. L'Église, c'est vraiment tous les membres du corps de Christ. Donc, tu ne veux pas blasphémer, c'est une chose, nous l'entendons. Mais ne t'avise pas ici à dire que tu es le Christ, parce que le Christ, nous le connaissons plus selon la chair, on le connaît selon l'Esprit, et on sait qu'il vit en nous, qu'il est l'onction de l'Esprit du Père, et que chacun en a reçu un petit peu. Donc, on ne doit pas chercher à s'élever au-dessus des frères, que celui qui veut s'élever au milieu de nous soit baissé. Voilà. Je te dis les choses simplement. Après, tu les entends, tu les entends. Si tu les entends pas, sache que je te boycotterai le temps qu'il faudra. Mais il faudra que ça te rentre dans la tête. Je t'assure que ce n'est pas moi qui me prenais pour Jésus. D'accord. Bon, ben, l'amour croit tout, excuse tout, pardonne tout. Amen. On doit manifester la charité. Mais j'en ai eu un. Comme toi, qui c'est surtout l'Esprit de Dieu hein, qui me l'a dit. Amen. Donc je fais confiance aussi à l'Esprit de Dieu derrière. L'amour croit tout, excuse tout, pardonne tout. Donc je laisse un avis que tout le monde peut entendre, mais derrière je me fais mon propre avis, personnel et individuel. Ta photo de profil, c'est la même que la personne qui se faisait passer pour Dieu. Et ton pseudo ressemble, il a été changé, mais ressemble à celui de la personne qui se faisait passer pour Dieu. Et quand le Saint-Esprit m'a mis en alerte, ben, j'ai regardé ta photo de profil, j'ai regardé ton pseudo. J'ai vu qu'il y avait eu un petit changement au niveau du pseudo, et c'est pour ça que je t'ai dit, ben, tu es peut-être la personne qui se faisait passer pour Dieu. Voilà. L'amour croit tout, excuse tout, pardonne tout. Derrière, j'ai mon avis. Si le Saint-Esprit me dit les choses, évidemment que je croirai le Saint-Esprit. Voilà. Mais je t'en excuse, tu m'en excuses, et voilà, on va pas s'embrouiller là-dessus. On n'a pas le temps de s'embrouiller, on n'a pas le temps à perdre. Voilà, on doit répondre à chacun. En tout cas, ne t'avise pas à te prendre ici pour le Seigneur Jésus-Christ, parce que tu resterais pas longtemps sur ce live. Voilà. Ceux qui blasphèment, ceux qui donnent gloire à un autre Dieu, ceux qui se prennent pour Jésus-Christ, ceux qui insultent tout le long du live, et qui vont pas arrêter d'insulter à un moment, parce qu'on les supporte, d'accord ? L'amour supporte. Tout. On les supporte, mais si à un moment on voit que c'est trop, ben on va faire comme l'a fait Paul, on va se retourner sur la personne qui a l'esprit de Python, et puis on va mettre le haut là, quoi. Parce qu'on a, à un moment, on a une autorité aussi. Il faut qu'on s'en serve. Le Seigneur nous a rappelé il n'y a pas longtemps qu'on avait une autorité. On a le pouvoir de lier et de délier, on a les clés du royaume des cieux, mais pas que. On a vraiment une autorité. Voilà. Donc à un moment, on doit savoir répondre à chacun, et s'il y a des blasphémateurs, des gens diaboliques, des gens de péché, on va dégainer l'épée de la parole de Dieu. Et ça peut faire très mal. Donc, je te remercie en tout cas d'être venu sur le live. Si c'est pas toi, c'est pas toi. Voilà. Et on va arrêter ce live pour donner gloire à Jésus-Christ. Parce que j'ai pas le temps de faire d'autre chose que de parler de Christ. Ne m'accuse pas à tort, s'il te plaît, je t'excuse. Alors, t'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, je te donne mon avis. Mais derrière, il y a l'avis du Saint-Esprit. Amen. Donc, j'accuse personne à tort. Si le Seigneur Jésus-Christ, il le dit, bah, c'est que le Seigneur ne se trompe pas. Voilà. Quel était son pseudo? Alors, son pseudo, c'était un pseudo... Il y avait 777 dedans. Bonne nouvelle, mais devant, il y avait quelque chose. J'en suis pas sûre à 100%, mais il me semble que c'est ça. Voilà. Avec la Bible, la même photo quasiment... que ce que tu as. J'en suis pas sûre à 100%. D'accord? Mais derrière, c'est le Saint-Esprit qui m'a mis en alerte. Qui m'a dit, ça y est, il y a le retour de la personne qui se prend pour Dieu. Donc, tu te prépares à bloquer. Voilà. Mais de toute façon, je m'en vais là. Je m'en vais, je mets fin au live. Alors, ce n'est vraiment pas moi. Alors, c'est possible qu'il y ait une coïncidence. Que tu as la même photo de profil, que tu as presque le même pseudo. C'est tout à fait possible. D'accord? Mais après, le Saint-Esprit sait mieux les choses que nous. Sur ce, bonne journée à tous les amis, et je vous retrouve ce soir à 21h30 si Dieu le veut, parce que là quand je dis ça l'ennemi l'entend, et à 21h30 non tu viendras pas, parce que du coup je te mettrai des problèmes, je te mettrai de la fatigue et tu viendras pas. Normalement si je viens ce soir à 21h30 que Jésus m'envoie, amen, nous allons lire ensemble la vraie histoire biblique
de la Genèse, parce qu'on va commencer à étudier la Bible différemment. Je vous l'ai dit, hein, je vous ai prévenu sur le live hier, c'est Christ qui vous a prévenu. Voilà, les temps d'études vont changer aussi. Amen. Parce qu'à un moment, on a grandi, hein. On fait des temps d'études comme ça pendant un temps, mais après, là, ça faisait longtemps qu'on était comme ça, à faire des temps d'études, verset par verset. Là, si c'est pour refaire les mêmes trucs, c'est plus la peine de faire des lives, d'accord? Il faut que ça change. Et là, je vous le dis, ça va changer. Voilà. Donc, on va écouter la Genèse. On prendra des mots-clés. Donc, il y aura un jeu aussi, parce que je vais prendre qu'un mot-clé, puis on va prendre tous les versets. Puis après, je vous lirai les versets, puis ça sera à vous de retrouver le mot-clé. Voilà, comme on a fait là aujourd'hui. Et on regardera un petit peu les dessous de ce que Jésus avait commencé à me donner, les dessous spirituels de cette histoire de la Genèse. Amen. Alors, j'ai pas tout, d'accord? J'ai pas tout. Parce qu'on peut pas tout avoir. On connaît en partiel. Voilà. Quand Christ sera venu, ce qui est partiel disparaîtra et on aura la plénitude de la connaissance de ce que Christ a voulu nous faire connaître du Père. Amen. On ne pourra jamais connaître le Père même quand on sera parfait entièrement. Mais en tout cas, quand Christ paraîtra, notre connaissance sera beaucoup plus grande que pour l'instant. Parce que pour l'instant, dans l'exercice, on ne sert pas Dieu. Vous vous souvenez de ça? On est des serviteurs inutiles. Mais cependant, les serviteurs inutiles, on n'est pas des auditeurs oublieux. Et on a envie de grandir quand même. On a envie de grandir au maximum de ce qu'on peut grandir en attendant le retour de Christ pour grandir encore plus que ce qu'il veut nous faire, que ce qu'il nous fait déjà là. Voilà. Gros bisous à tous. Merci dans le Seigneur Jésus-Christ d'avoir suivi ce live. Le Seigneur Jésus est le roi des rois. Je ne me prendrai pas pour lui. Je ne comprends pas. Alors, il n'y a rien à comprendre. D'accord ? Ça peut être un malentendu, comme ça ne peut ne pas l'être. Voilà. Le Seigneur Jésus est le roi des rois. Exactement. On ne doit pas se prendre pour lui, mais cependant, on est ses témoins, on est ses disciples, on doit agir comme lui, parler comme lui. Amen, on est ses images. On ne va pas s'embrouiller 10 ans là-dessus. Bonne nouvelle, 777. D'accord? Ça ne sert à rien d'envenimer les choses. Voilà. Même si j'avais fait une faute de t'avoir pris pour quelqu'un d'autre, tu dois demeurer dans l'amour, tu m'excuses et point barre. Voilà. Le Seigneur Jésus est le roi des rois, tu dis. Il est que ça. Il y en a beaucoup qui disent qu'il est le Messie, qu'il est un prophète. C'est pas ça qu'il faut dire quand on est véritablement disciple de Jésus. Voilà. Oui, mais ça m'attriste. Eh bien, écoute, je m'en excuse de t'avoir attristé. Donc maintenant, tu dois te réjouir avec Christ. Réjouissez-vous toujours avec le Seigneur. Ne tombez pas dans la tristesse, l'angoisse, la colère et ces émotions-là qui peuvent vous ramener au péché. Donc ne reste pas dans la tristesse. Voilà. Parce qu'en plus, si c'est vraiment pas toi, je vois pas pourquoi t'es attristé, quoi. Si c'est vraiment pas toi, pourquoi ça t'attriste? Ça devrait t'attrister que si c'est vraiment toi. C'est là que j'arrive pas à comprendre le truc, en fait. Voilà. Sur ce, on va pas se disputer 100 ans. Louons l'Éternel et rendons-lui grâce pour ce live. Merci d'avoir suivi ce live. Et vous êtes tous les bienvenus, même toi, bonne nouvelle 777, si c'est pas toi qui te prends pour Dieu. Voilà. Shalom, bye bye. Au prochain live à 21h30 ce soir, si Christ le veut, bien entendu. Bisous, bisous.